Il est 7h au Bénin et précisément quelque part à la frontière avec le Nigeria, Sémé Krake. Bonjour à tous et merci de vous réveiller avec nous sur Canal 3 Bénin et sur Actu Matin. Bienvenue dans votre matinale. Wakabali Kwara, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. On vous retrouve dans un instant pour un tour d'horizon rapide des unes du jour. Et au sommaire, la nouvelle fait l'actualité, alimente les débats. Depuis hier après-midi, nous ferons le nôtre ce matin au forum avec les débatteurs. Le Nigeria a rouvert ses frontières terrestres avec ses voisins. C'est la levée des barrières et le trafic a normalement repris après pratiquement 15 mois de fermeture. Après cette épreuve imposée au Bénin et face à laquelle notre pays a confirmé sa résilience économique, il faut alors tirer des leçons pour l'avenir. Il y a eu donc des réactions dans l'opinion. Nous partagerons certaines avec vous ce matin. Restez avec nous. Un dialogue national pour recoller les morceaux, panser les plaies, résoudre tous les problèmes du Bénin, c'est en tout cas le souhait de l'ex-chef de l'État Boliaï. Le moment est venu de réunir toutes les bonnes volontés, quelle que soit leur origine politique, idéologique ou ethnique, pour donner un nouvel élan à notre destin national dans l'union sacrée de cette nation. De cette déclaration, on en parle au débat tout à l'heure, analyse de la faisabilité avant l'élection présidentielle comme il l'a signifié, Boniaï, et les conditions dans lesquelles ce dialogue pourrait se tenir. On reviendra sur la nouvelle donne dans l'administration publique béninoise. À partir du 1er janvier 2021, vous le savez, les horaires de travail changent, la grille rendue publique avec un gain d'une heure. Nous aurons les profondes explications du directeur du plan et de la prospective du ministère du Travail, Abdulaziz Malik, est l'invité du forum. Et puis, à sa suite, notre chroniqueur environnement, après quelques semaines de repos, fait son retour. Fulbert Adimeransou reçoit Dr Bio Oru Niki. Il est journaliste et environnementaliste. La série de COP initiée pour faire face au changement climatique. Il a noté un manque d'engagement politique dans la mise en œuvre des différentes recommandations. Il faut alors passer à autre chose. Ne faudrait-il pas envisager une solution plutôt local? On va en parler dans la deuxième partie avec notre invité et ce, juste avant, la revue de presse de Séraphia Siombo. Merci de nous préférer. À Noël, il n'y a rien de plus magique que de vivre de bons moments en famille. Alors, chers abonnés, passons Noël ensemble et profitez de 15 jours offerts à tout Canal Plus pour tout réabonnement. Mesdames et messieurs, qui veut danser? Partez à la découverte de mondes merveilleux et vivez de grandes aventures en famille. J'ai du cinéma. Je suis content que ça te plaise. Sois gentil, chaton. Alors, chers abonnés, passons Noël ensemble et profitez de 15 jours offerts à Prêt pour qu'on profite de Noël ensemble. Allez, les toutes premières informations sont à la une des parutions du jour. C'est la revue des titres avec vous, Wakabali Para. Oui, rebonjour Christian et rebonjour à tous. Les premières informations, bien entendu, nous viennent de Fraternité, ouverture des frontières avec le Nigeria. L'économie du Bénin a gagné en résilience. Soutenance de thèse de doctorat à la Faculté des sciences de santé de Cotonou, God Power à Tempo Imelda Nobime, nouveau docteur en médecine. Les troubles musculo-squelettiques chez les dockers et la manœuvre, c'est le thème qu'elle a défendu en fin de semaine dernière et elle est repartie avec la mention très honorable, plus félicitations des membres du jury. Prévention des accidents de la route, la campagne Sobebra vous décode le code pour sensibiliser les usagers. À la une maintenant de la Nation, lancement du réseau béninois d'éducation et de recherche, l'accès des étudiants à Internet et au savoir facilité. Et puis, secteur éducatif, les actions phares prévues pour 2021. Information à retrouver à la page 12 du quotidien de service public.
Soleil levant, Bénin, Nigeria, Bouhari, affaibli par sa propre mesure, ouvre à nouveau les frontières. Appui à l'éducation dans la commune de Soava, le maire Zanou offre 3 bacs motorisés aux écoles primaires publiques de sa commune. Patrice Talon devant la représentation nationale le 29 décembre prochain pour son discours sur l'état de la nation, nous apprend Soleil Levant. Le potentiel à présent, ouverture des frontières 16 mois après la fermeture unilatérale, a craqué, Bouhari a craqué et levé la mesure. Annulation du concours des auditeurs de justice, avocats, ministres et candidates tricheuses, une proximité suspecte. L'œuvre de salubrité du président Patrice Talon se poursuit. Le challenge, réouverture des frontières nigérianes, Talon réussit la résilience de l'économie béninoise, l'endurance et le leadership du chef de l'État béninois salué. Et puis vaine cabale contre la livraison de 3 autobus à la poste du Bénin, le PDG de LBM s'indigne, clarifie et menace. Annulation du recrutement, du concours de recrutement de 100 magistrats, les faussaires dans le viseur du président Patrice Talon. La cloche, cette fois-ci, le président Bouhari ordonne la réouverture de la frontière au niveau de Sémé. Craqué. Discours sur l'état de la nation, Patrice Talon passe aux députés le 29 décembre prochain. Candidature du parti Foskori pour un Bénin émergent à la présidentielle d'avril 2021. Paul Hunkpe, Alassane Diemba, le ticket du consensus. Carte sur table pour finir. Christian Dandéjan, décryptage sur la tournée du président Patrice Talon à Porte Nouveau précisément. Docteur Onifade Sofiatou évoque les qualités d'un président prêt à se sacrifier pour le développement de son pays, le Bénin. Remise officielle des arrêtés d'agrément aux écoles privées d'enseignement supérieur. Véry Chagin, aka toujours incontournable dans le domaine du génie civil et la géométrie. Nomination dans les ordres nationaux du Bénin. Intégralité de la liste des nommés à retrouver dans les colonnes de cartes sur table. Voilà, Christian, un tour rapide des parutions. C'est ce jeudi avec Fraternité qui revient donc sur cette nouvelle actualité, notamment la réouverture des frontières avec la partie nigériane. Voilà, et c'était depuis hier après-midi. Nous avons vu des scènes de liesse hein, de part et d'autre de la frontière de Sémé-Craqué. On va parler tout à l'heure avec vous, Akhab Ali Kbara, et l'ensemble des débatteurs ce matin. Il y a eu beaucoup de réactions dans l'opinion et sur la toile. Je partage avec vous la réaction de l'actuel maire de la commune de Djougou, Malik Seibou Gomina, qui déclare la gestion de la crise née de la fermeture des frontières nigérianes par les autorités béninoises renforce notre fierté de Béninois. On peut être petit mais digne. Bravo donc au président Talon qui a renforcé la résilience de notre économie. Nous avons certes besoin du Nigeria, mais pas dans une position de vassal, écrit-il. Désormais, les relations entre nos deux États seront faites de respect réciproque et cela n'a pas de prix. On ne pouvait pas encore accepter que l'histoire se répète comme jadis les royaumes d'Abomey et d'Abé Okuta. C'est à lire en page 3 du quotidien Fraternité. Justement, nous sommes au mois de décembre, conformément à l'article 112 de la Constitution, le chef de l'État se rend au palais des gouverneurs à Porte Nouveau pour présenter son message hein, sur l'état de la nation pour cette année. Ce sera le 29 décembre prochain et Fraternité qui, sous la plume de Karim Oscar Anoré, précise que ce sera le 5e et dernier rendez-vous du quinquennat du président Patrice Talon avec les députés à l'Assemblée nationale depuis son accession à la magistrature suprême. C'était en avril 2016 et un petit point fait,
Il a eu à délivrer son message trois fois sous la 7e législature dirigée par l'ex-président de l'Assemblée nationale, Adrien Houngbidji, et ce sera deux fois sous Louis Vlavonou, l'actuel président de l'Assemblée nationale. Restez avec nous sur Canal 3 et Actu Matin, en fin d'édition, retour sur l'actualité vue par les journaux avec Séraphin Siombon et vue par la rédaction de Canal 3. Ce sera avec vous Ingrid Day, bonjour. Oui, bonjour Christian, bonjour à tous. Au sommet de l'actualité, ouverture hier à Cotonou d'une session ministérielle consacrée à la validation du bilan de la mise en œuvre de l'entente. Il s'agit d'un accord conclu entre le Bénin et le Niger pour la transhumance transfrontalière 2020. Les travaux sont placés sous la coprésidence du ministre béninois de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et son homologue du Niger. La société béninoise de brasserie a lancé mardi dernier à Cotonou la campagne dénommée « Sobebra vous décode le code ». L'initiative vise à sensibiliser les populations sur le respect du code de la route en cette période des fêtes de fin d'année. Nous découvrons le code tout à l'heure dans le mini-journal avec beaucoup plus de détails sur cette actualité. Restez avec nous, le mini-journal, c'est tout de suite. Depuis quelques années, la société Wangyu Bénin fabrique du fer à béton made in Benin. La matière première provient du recyclage de la ferraille récupérée que nous recyclons. Notre production est faite sur des installations sécurisées suivant les normes internationales avec le souci perpétuel de préserver l'environnement. Nos produits sont de qualité supérieure en termes de nuances, de pliage, de respect du diamètre et sont surtout laminés à chaud, d'où son adhésion plus franche avec le béton. Nous disposons des fers de 6 jusqu'à 32. Attention, vérifiez notre marque HYB est sur le fer. Nous sommes les meilleurs rapports qualité-prix. On ouvre cette session de l'information par cette session ministérielle sur la transhumance. Des experts béninois et nigériens évaluent les conclusions et recommandations issues de l'évaluation du bilan de la mise en œuvre de l'entente entre les deux pays pour la campagne de transhumance transfrontalière au cours de cette année 2020. Les travaux se sont déroulés hier mercredi dans la ville de Cotonou. Le point de la rencontre dans cet élément. Rencontre bilatérale Bénin-Niger à Cotonou le 16 décembre pour la transhumance transfrontalière 2020. Elle est consacrée à l'examen et à la validation des conclusions et recommandations issues de l'évaluation du bilan de la mise en œuvre de l'entente. L'activité s'inscrit dans le cadre de l'exécution de l'accord signé en février 2020 entre les deux pays. L'objectif de cette réunion ministérielle est d'offrir un cadre d'échange politique de haut niveau entre les décideurs du Bénin et du Niger, afin qu'ils puissent examiner et valider les éléments saillants du bilan de la mise en œuvre de l'entente entre les deux pays, ainsi que les leçons tirées et les recommandations formulées. Ainsi, la validation par les ministres des propositions concertées qui ont été formulées par les parties prenantes dans les pays contribuera à créer les conditions propices à la concrétisation des recommandations issues de l'évaluation. En prélude à la rencontre, les experts se sont retrouvés la veille pour procéder à l'analyse critique du bilan de la mise en œuvre de l'entente. La rencontre a accouché d'un rapport dont la synthèse est présentée à cette session ministérielle pour amendement. Au terme de la mise en œuvre de cette entente, il était normal de procéder à son évaluation à travers une analyse critique des experts au cours des concertations décentralisées tenues d'abord à Kandy, à Gaïa, puis des rencontres nationales qui ont débouché sur une réunion transfrontalière bilatérale à Parakou pour la mise en commun des analyses et des recommandations. La session qui s'ouvre ce jour donnera l'occasion de passer au peigne fin les conditions de mise en œuvre de l'entente, les difficultés l'ayant entravé, les leçons apprises et les recommandations subséquentes. Cette expérience entre le Bénin et le Niger a bénéficié du soutien de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les travaux se sont soldés par un communiqué final. À l'initiative conjointe
des gouvernements. Et voilà, on poursuit cette session de l'information sur Actu Matin par cette descente du ministre de l'Énergie sur le site de Dongako. Ingrid. Oui, Christian, accompagné du directeur de la SBE et celui de la pièce, Donna Chancot Ossou est allé constater le niveau d'avancement des travaux en cours sur le site. La délégation s'est également rendue à la Société béninoise de brasserie avec le même objectif. Le point de cette visite avec Idrissou Poukari. Le ministre de l'Énergie et le directeur général de la SBE sur le site industriel de Dongako, une société agroalimentaire de plusieurs unités industrielles dont le siège social est établi à Semepoji. La principale difficulté que rencontre cette société est le défaut de la disponibilité de l'énergie électrique. Et c'est pour soulager l'entreprise de cette difficulté que l'Agence de promotion des investissements et des exportations et le ministère de l'Énergie ont favorisé la collaboration entre Dongako et la SBEE, une collaboration qui a permis d'engager des travaux dont le ministre Donna Jean-Claude Ossou est venu s'enquérir du niveau d'avancement. Le besoin en énergie pour Dongako est grand. Nous sommes demandeurs d'énergie, nous avons besoin de près de 15 MW et notre demande aujourd'hui tourne autour de 2 MW. Dongako a pour principale activité la fabrication des boissons et la commercialisation des papiers hygiéniques. Elle envisage dans les mois à venir de lancer des usines de détergents, d'huile, de fabrication de savons et de sacs, des projets bloqués faute de l'énergie. Cette visite du ministre vient sans doute donner un coup d'accélérateur aux travaux. On va travailler vraiment d'arrache-pied pour supporter l'ensemble des industries au niveau du pays et celle-ci étant déjà en activité, donc c'est doublement important d'accélérer. Donc j'ai déjà discuté avec les techniciens qui m'accompagnent et cet après-midi, nous allons vraiment dresser un plan accéléré pour permettre de respecter un peu les échéanciers promis par le ministre de l'Énergie. Et nous nous sommes engagés par rapport à ça et j'ai bien dit qu'au plus tard au mois de février, je dois venir ici pour inaugurer les installations flambant neuves qui permettront à cette industrie de réduire considérablement ses coûts pour être encore plus compétitif, parce que c'est ça qu'on attend, c'est ça que le gouvernement attend des investisseurs, des industriels, afin qu'ils puissent encore créer plus de richesses dans notre pays au service donc de nos concitoyens. Créer des emplois et de la valeur ajoutée à l'économie nationale, c'est ce qui justifie l'engagement du gouvernement aux côtés des industriels. Et c'est ce même motif qui a conduit le ministre de l'Énergie et sa délégation à la Sobebra, une entreprise qui est aussi confrontée au manque d'énergie de façon permanente, mais qui, depuis quelques années, note des efforts considérables déployés par le gouvernement. Les chiffres sont pas politiques, les chiffres ne sont pas polémiques. Ils sont factuels. On était à 30% sur groupe en 2014-2015. Nous sommes aujourd'hui à 3%. Donc ça parle de soi. Il n'y a pas de débat là-dessus. Cette dynamique que vous instituez dans le domaine industriel se traduit également par la cohérence qu'on trouve par rapport au plan d'action du gouvernement. Vous avez noté la disponibilité énergétique plus importante avec la perte du zéro. Mais ce qui m'a frappé encore plus aujourd'hui qu'hier, c'est cette volonté que vous avez engagée au niveau des énergies renouvelables qui constitue le deuxième projet phare du secteur de l'énergie dans le cadre du programme d'action du gouvernement. Le ministre de l'Énergie a profité de cette occasion pour rassurer tous les industriels. Le gouvernement travaille pour faire en sorte que l'énergie soit disponible pour assurer le développement des entreprises et encourager l'installation d'autres unités industrielles afin de créer de nombreux emplois. On parle éducation maintenant. Les réformes engagées par le gouvernement dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur portent déjà leurs fruits. Après plusieurs années d'évaluation et d'inspection rigoureuse, le gouvernement reconnaît les mérites de certains nombres d'établissements privés d'enseignement supérieur en activité au Bénin. 19 au total pour la première vague. Ils ont reçu leurs arrêtés d'agrément mardi dernier à Cotonou. On retrouve Idrissou Boukari. 19 établissements privés d'enseignement supérieur reconnus par le gouvernement suite à leur évaluation et inspection.
Une reconnaissance matérialisée par cette remise des arrêtés d'agrément aux promoteurs de ces universités privées par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'attente a été longue, mais c'est désormais chose faite et c'est la concrétisation d'une des réformes majeures opérées dans le secteur depuis 4 ans. La ministre Éléonore Yaï Ladekan félicite et encourage les récipiendaires pour plus de performances. Bravo à vous, bravo. Chef de l'État, chef du gouvernement, qui est le premier en termes de manager à soutenir et encourager la réforme, me charge de vous féliciter et de vous dire que vos doléances sont parvenues à ses oreilles. Le processus a été long, effectivement, mesdames et messieurs, et vous avez été endurant. Vous avez compris la réforme du gouvernement qui est relative à la qualité dans tout ce que nous faisons, à la qualité des services que nous rendons à la communauté, à la formation, donc de la relève de qualité pour porter le développement. C'est de ça qu'il s'agit, et que ce soit le privé ou le public, on se donne la main pour justement animer nos fonctions selon cette orientation. La rigueur et la transparence, c'est désormais les valeurs qui gouvernent les établissements privés d'enseignement supérieur sous le régime du président Patrice Talon. Pour les promoteurs des EPES, la réception de ces agréments constitue pour eux une bouffée d'oxygène. Vous savez, avoir son agrément, son arrêté d'agrément, pendant la rupture, ce n'est pas une chose aisée. Et ces écoles ont vraiment travaillé et elles ont vraiment travaillé. C'est ce qui couronne la cérémonie de ce soir. C'est une cérémonie historique. D'accord, c'est une cérémonie vraiment historique. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés à destination. Donc, c'est vous dire que c'est un sentiment de joie, de grande satisfaction qui m'anime ce soir. Et nous voyons que les réformes engagées depuis 2017 au niveau de l'enseignement supérieur, c'est maintenant que nous sommes en train d'avoir les fruits donc, de ces réformes. Et la concrétisation donc, et de ces réformes aujourd'hui, ça a été donc, la remise des arrêtés d'agrément. Et en même temps, ça nous permet de nous placer, comme déjà on l'a déjà été par le passé, étant la toute première école dans le secteur des énergies, énergies renouvelables, d'être, je vais dire, d'être reconnu en tant qu'une structure de la sous-région, d'ailleurs, qui travaille dans le secteur des énergies et énergies renouvelables. Je voudrais remercier tous les acteurs principaux, notamment tous les membres de l'association que j'ai dirigée pendant 4 ans, l'association des grandes écoles, instituts et universités privées du Bénin, et tous les autres acteurs des EPES qui ont travaillé d'arrache-pied pour que nous soyons là. Remercier aussi les autorités et remercier le gouvernement de la rupture qui a pris son temps pour examiner la qualité de ce qui a été fait. Une fois ce cap franchi, il reste le plus important aux yeux des promoteurs des établissements privés d'enseignement supérieur. L'ultime étape de maturation et de responsabilisation des universités privées. Il s'agit de l'homologation qui permettra aux établissements privés d'enseignement supérieur de délivrer directement les diplômes à leurs étudiants. Le chemin est encore long pour y arriver. Les sacrifices au niveau de des homologations, ça va être essentiellement la qualité. Et aussi donc l'honnêteté dans le travail, et c'est ça qui va nous amener à l'homologation, parce que à l'homologation nous serons admis à délivrer nos diplômes, et s'il n'y a pas la qualité et l'honnêteté, la confiance que le gouvernement doit nous faire doit passer à côté, et ce n'est pas intéressant. Cette cérémonie de remise des arrêtés d'agrément n'est que le début d'un processus qui va se poursuivre avec une vingtaine d'autres établissements privés d'enseignement supérieur qui recevront également leurs agréments. Signature d'accord entre la Société de gestion intermédiation et l'Université d'Abomey-Calavi. Le but du partenariat est d'éduquer les étudiants à la culture boursière et leur offrir des opportunités d'insertion professionnelle. La cérémonie de signature de protocole d'accord s'est déroulée ce mercredi au rectorat du campus.
la directrice générale de la Société de gestion et d'intermédiation SGI Bénin et sa délégation au rectorat de l'Université d'Abomey-Calavi. La rencontre du mercredi 16 décembre 2020 s'inscrit dans le cadre de la signature d'un protocole d'accord avec l'UAC, un partenariat qui vise à éduquer les étudiants à la culture boursière et leur offrir les opportunités d'insertion professionnelle. L'université a fait l'option de s'ouvrir à la société, d'être davantage en phase avec les préoccupations de la société, de travailler à trouver des solutions à ces problèmes-là. Et parmi les préoccupations, vous savez tous que l'insertion professionnelle, l'intégration à la vie active, à la vie professionnelle est un souci essentiel. Ce souci préoccupe toutes les institutions de formation. Ce partenariat intervient comme un complément à la start-up UAC Valley. Il permettra non seulement aux étudiants en fin de formation ou en formation de constituer un fonds pour lancer leurs activités économiques, mais aussi d'avoir une idée des opérations boursières et des opportunités d'investissement. Et cela passe par la création d'un club d'investissement. Un club d'investissement est par définition un groupement de personnes physiques qui décident de mettre ensemble leur épargne qu'elles libèrent selon une périodicité qu'elles définissent librement et pour un montant de leur choix. C'est ce montant qui est mis ensemble pour constituer et gérer un portefeuille de valeurs mobilières. Les étudiants, à travers le club d'investissement, peuvent découvrir les opportunités d'emploi sur le marché financier. En effet, sur notre marché, plusieurs corps de métier se distinguent. Je veux citer les traders ou négociateurs en bourse, les gestionnaires de portefeuille, les conseillers en investissement, les apporteurs d'affaires. Quant à vous, mesdames et messieurs, les membres du personnel administratif de l'UAC, c'est aussi une occasion pour moi de vous inviter à investir autrement en vous constituant des portefeuilles de valeurs mobilières qui vous procureront des rendements intéressants. À ce jour, la Société de gestion et d'intermédiation SGI Bénin compte 40 clubs d'investissement, dont l'un regroupe des anciens étudiants. Et ce partenariat rejoint les nouveaux paramètres instaurés par l'UAC. Le centre incubateur du lycée technique Koulibaly de Cotonou a lancé mardi la formation des entrepreneurs juniors. C'est une formation qui prend en compte trois filières professionnelles, bâtiments et travaux publics, électricité et la mécanique automobile. 12 mois durant, les participants vont améliorer leur capacité entrepreneuriale. Le point de la cérémonie dans ce reportage de Teddy Goudalo présenté par Ali Momouni. C'est parti pour 12 mois de formation en faveur d'entrepreneurs juniors dans trois filières professionnelles, à savoir la mécanique automobile, l'électricité, bâtiments et travaux publics. Ils sont une quinzaine à prendre part à l'édition de 2021 qui va leur permettre de recevoir les rudiments nécessaires pour mieux s'imposer sur le marché de l'emploi. Nous promettons que cette édition ne sera pas une des trop et il en sortira de grands entrepreneurs dans tous les domaines de la vie. Le centre incubateur du lycée technique Koulibaly de Cotonou reçoit des finissants des établissements de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, porteurs de projets liés à leur formation initiale, qui vient y acquérir un perfectionnement sur le plan technique et bénéficier d'une préparation en entrepreneuriat afin de créer et de faire démarrer les activités de leur entreprise. La séance de formation est initiée par le centre incubateur du lycée technique Koulibaly de Cotonou. Plusieurs entreprises partenaires du centre accompagnent les entrepreneurs juniors durant la période de leur formation. Je vous souhaite beaucoup de courage. Vous avez choisi la meilleure part, car avec cette voie noble, vous saurez vite toucher l'essentiel. Vous allez posséder le monde, vous allez le dominer comme le Seigneur l'a demandé et vous allez le transformer correctement. Alors, prenez-y vraiment soin. Quand vous allez voir, vous allez découvrir les thèmes que vos formateurs vont vous développer, vous saurez que oui, on a choisi pour vous de très bonnes choses. Pour bien vous former, pour que vous soyez distinctifs sur le marché des emplois. Le centre incubateur du lycée technique Koulibaly de Cotonou est en effet créé en janvier 2015 et a déjà connu une édition de renforcement de capacité des jeunes entrepreneurs.
un établissement autonome qui dispose de plusieurs unités de production. Il s'agit entre autres des unités de la menuiserie bois, du froid et climatisation et la mécanique automobile. La ville de Grand Popo dans le département du Mono a abrité du lundi au mercredi un colloque organisé par la commission permanente communication, art et culture de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Au menu de cette rencontre, l'état des lieux et les perspectives de l'art, l'artisanat pour le développement du Bénin. Voici des têtes pensantes et autres acteurs culturels de premier plan, membres de la commission permanente communication art et culture de l'Académie nationale des sciences arts et lettres du Bénin en Salbe. Elles sont ici à quelques mètres des vagues océaniques de la station balnéaire de Grand Popo, à 80 km environ de Cotonou au sud-ouest du Bénin, pour animer un colloque. Un rendez-vous dont le thème central est art, artisanat d'art et développement au Bénin, état des lieux et perspectives. Nous sommes réunis ici pour réaffirmer, clamer haut et fort l'utilité sociale incontestable des artistes. Nous le ferons avec toute la force et toute l'ardeur de notre commune conviction pour que même les sourds nous entendent, pour que l'on porte désormais sur les artistes et sur tous les créateurs de l'esprit un regard plus positif. Comme vous le voyez, ce colloque est d'abord le rendez-vous des artistes. Je veux dire les comédiens de théâtre ou de cinéma, les artistes plasticiens, les conteurs professionnels, les écrivains, les auteurs dramatiques, auteurs de jeunesse et j'en passe. L'importance du thème a exigé aussi la participation de représentants de l'autorité et celle des universitaires intervenant dans des domaines variés tels que l'histoire de l'art, l'anthropologie culturelle, la muséologie, la philosophie, la didactique des contes, la critique d'art et la critique littéraire. Cette rencontre scientifique a pour objectif de mettre en évidence la contribution de l'art et de l'artisanat au développement et au progrès social du Bénin. Les travaux vont permettre d'aborder des thématiques telles que la politique culturelle du gouvernement, l'éducation artistique et culturelle en République du Bénin, les classes culturelles en République du Bénin, l'industrie culturelle au Bénin, la fonction socio-économique et culturelle de l'artiste dans la cité, ainsi que art, formation et développement. Nous rêvons d'un Bénin où le secteur des arts et artisanat d'art devienne des secteurs des plus grands créateurs de richesses. Il s'agit aujourd'hui que le gouvernement nous en crée les conditions et environnements favorables. Nous sommes des faiseurs de rêves, nous sommes des marchands d'illusions, des vendeurs d'utopie, des semeurs de joie, des éveilleurs de conscience. Faites-nous confiance. La créativité est notre arme. Nous sommes des travailleurs. Nous sommes des patriotes prêts et engagés pour la renaissance du Bénin. Je peux vous garantir qu'un fidèle compte rendu sera fait au président de l'Académie afin que l'œuvre qui a été ainsi entamée puisse être poursuivie et que la problématique de la place de l'art au sein du développement de notre pays vu du point de vue de l'Académie, puisse se pérenniser et arriver à donner les résultats qui, nous l'espérons, vous apporteront satisfaction et plus grande motivation encore pour des lendemains meilleurs au niveau de votre corporation. Le colloque va durer 72 heures. Il va permettre aussi d'aborder la question de la coopération muséale et patrimoniale entre la France et le Bénin pour en connaître les tenants et aboutissants. Autre pan de l'actualité à présent, le top de la campagne dénommée Sobebra vous décode le code a été lancé mardi à Cotonou. C'est une initiative des responsables de la société béninoise de brasserie qui vise à sensibiliser les populations sur le respect du code de la route en cette période des fêtes de fin d'année. Démarrée le 15 décembre, la campagne prendra fin le 15 mars prochain. Wahamalikbara. La Sobebra achève à sa manière l'année en cours et embrasse la nouvelle avec prudence et respect du code de la route.
Il est évident ici que la vie des clients et autres consommateurs des produits de la société béninoise de brasserie importe beaucoup à ses responsables et donc prévenir et réduire les accidents de la route paraît bien aux portes. La campagne dénommée « Sobibra vous décode le code » tombe donc à point à l'effet de sensibiliser les usagers de la route. Cette campagne vise à sensibiliser les usagers de la route et les inciter à adopter les bons réflexes de conduite. À compter de ce jour, nos produits de la gamme Yuki porteront une contre-étiquette strictement dédiée à la campagne. Sur chaque contre-étiquette, vous verrez un panneau de signalisation routière. La signification de ce panneau, juste après le panneau, ici par exemple, vous avez le panneau annonce de feu tricolore. Juste après ce panneau, la signification. Et après, vous avez la conduite que nous recommandons aux usagers de la route à adopter à la vue de ce panneau. Pour sensibiliser le plus grand nombre d'usagers, un dispositif multimédia unique a été mis en place. 144 émissions de radio réparties sur 12 chaînes à travers tout le territoire, diffusées pendant 12 semaines. La municipalité de Cotonou marque sa totale adhésion à cette initiative de la Sobibra. Cette activité à travers laquelle la Sobibra dote 10 carrefours de la ville de Cotonou de panneaux de signalisation repose sur une double approche. Faciliter la mobilité urbaine d'une part et garantir la sécurité routière d'autre part, surtout en cette période de fin d'année. Je voudrais donc, au nom du maire de la commune de Cotonou, remercier la Sobibra pour cette initiative. Nous sommes aussi un vecteur de communication et que quand nous produisons des centaines de millions de bouteilles, il est facile d'utiliser ces bouteilles comme un médium et permettre au travers de ce médium de passer un message. Le message aujourd'hui, il est très simple. Au lieu de discuter autour d'une bière, pour une fois, on discutera autour d'un panneau. Et on espère que cette discussion permettra à ceux qui convoient nos collègues de se souvenir que quand ils ont lu le panneau, il y avait une signification et qu'ils appliqueront à la lettre la signification de ce panneau. La campagne va durer 3 mois et la Sobibra s'engage à organiser sur l'étendue du territoire national des séances foraines de sensibilisation dans les grandes gares routières. Des visuels didactiques seront relayés dans la presse et sur les réseaux sociaux pour transmettre aux populations les messages de prévention routière. La campagne prend fin le 15 mars 2021. Voilà, c'est la fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de journée à vous. Merci à vous, Ingrid. Très bonne suite de journée du jeudi à vous également. L'info revient en direct sur Canal 3, le www.canal3television.com tout à l'heure quand il sonnera 13h. Prenez le rendez-vous. En attendant, votre matinale se poursuit. Actu Matin, dans un instant, le forum de discussion avec l'ensemble des débatteurs. Juste après, nous reviendrons sur l'actualité liée donc aux horaires de travail au niveau de l'administration publique et ce, à partir du 1er janvier 2021. On recevra en invité Abdelaziz Malik. Il est le directeur du plan de la prospective du ministère du Travail pour de plus amples informations. Et puis, on parlera du réchauffement climatique. Il faudra repenser la lutte au niveau local. Docteur Bio Oru Niki est journaliste environnementaliste. Il est l'invité de Fulbert Adimeroswa, retrouvé dans la deuxième partie de cette matinale. La pause pub juste après le forum. Garde qui dort jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle,
mobile unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace, et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Mon bulletin de compteur, s'il vous plaît. Je sors si tu m'as mis. Je me déplace toujours avec mon bidon. Ah, il a son petit frère. Oui, papa. Ce n'est plus la peine de trimballer le 10 litres dans vos déplacements. Ils ont inventé ceci pour nos clients. Jésus est demain le vrai docteur. Et c'est toujours moins cher. Alors, le 10 litres pour la famille et son petit frère pour les déplacements. Et ça coûte combien? Le bidon est à 400 francs. Dans les buvettes, bars et maquis. Le pack de 6 est à 1500 francs seulement. C'est surtout disponible partout et sur toute l'étendue du territoire national. Chez tous les revendeurs, réclamez votre eau de comtesse à 400 francs et le pack de 6 à 1500 francs. Et parlez-vous. Eau comtesse, eau du Bénin. Comtesse, le plaisir de tous les jours. Bienvenue chez Air Froid Technologie. Vous y trouverez des climatiseurs split system, un modèle tropicalisé avec unité extérieure, anti-corrosion, silencieux et très économique en consommation électrique. Vous avez la possibilité de rechanger toutes les pièces possibles en plus d'un service après-vente assuré sur tous vos achats. Pour tout contact, appelez au 00229 21 32 65 43 61 17 63 77 ou visitez notre showroom juste en face de l'église Saint-Jean à Cotonou. Avec la qualité des climatiseurs à Air Froid Technologie, économisons l'énergie électrique. Air Froid Technologie, King Mensa vous le conseille. À la maternelle, nous avons des livres comme Éveil graphisme, le livre de mathématiques et le livre de français. Au primaire, vous avez des livres en éducation sociale, scientifique et technologique, des livres de français. Les livres de mathématiques, un livret d'évaluation des manuels d'anglais, de mathématiques, des SVT et en SVCT également, de la classe de 6e en terminale. Le papa ne peut pas témoigner que qu'il est question de la qualité. Si des élèves veulent réussir aux différents examens, je crois que les livres de la collection oxygène sont bien éduqués. Grâce au manuel de la collection oxygène, j'ai eu mon bac cette année. J'exhorte tous mes amis et camarades du premier cycle et du second cycle à opter pour les livres de la collection oxygène. Collection Oxygène, disponible dans toute la librairie du Bénin. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Canal 3 Bénin, Actu Matin, c'est votre matinale. Merci de prendre ce rendez-vous. Bonjour Akimé, Herman, André Dossa, Wahab Alipara. Bienvenue en plateau. La nuit a duré le temps qu'il fallait, mais le jour a fini par se lever. On pourrait s'exprimer ainsi avec l'ouverture hier des frontières terrestres du Nigeria, dans les différentes frontières avec le Bénin, notamment la frontière de Semen craquée. André Dossa, on se rappelle que la frontière ou les frontières sont fermées depuis le 20 août 2019. On rouvre les frontières pratiquement 15 mois après. Bonne nouvelle pour les pays limitrophes, notamment le Bénin. C'est forcément une bonne nouvelle pour l'ensemble des parties prenantes de cette crise, je veux dire, des frontières. Le Nigeria a fermé la frontière avec ses voisins, ses différents voisins, dont notamment le Bénin. Et on observe que c'est notamment l'aspect bénino-nigérien de cette crise-là qui a semblé vraiment mobiliser les attentions, compte tenu de
la proximité non seulement avec le Nigeria, mais aussi les relations séculaires que nous entretenons avec ce pays, tellement nos pays sont interdépendants que vraiment c'est cet aspect de la question qui a beaucoup plus préoccupé les uns et les autres. Et effectivement, lorsqu'on analyse la question donc à travers le prisme des relations bénino-nigérianes, on est en droit donc de se féliciter de cette décision prise par le Nigeria et constater que les activités vont reprendre de plus belle, notamment ces citoyens des deux côtés qui ont souffert de cette décision. Vont pouvoir maintenant reprendre leurs activités. On a pu noter d'ailleurs la joie, n'est-ce pas, sur le visage de ces citoyens-là, ces petits commerçants, ces gagne-petits, ces tâcherons qui vivent des activités au niveau des frontières, qui se sont donc réjouis hier. Et il y en a qui ont immédiatement repris leurs activités. C'est une bonne chose. Maintenant, quand on va vouloir faire une lecture plus approfondie de cette décision, on pourra remarquer que c'est sans doute le Bénin a pu satisfaire un certain nombre d'exigences du Nigeria, mais aussi considérer que ça a été un mal point bien, en ce sens que le Bénin, contrairement à ce que l'on nous vendait, contrairement à ce qu'on agitait comme épouvantail pour sans doute davantage nous faire peur, c'est que le Bénin est resté debout, a pu donc résister, et en tout cas n'a pas pu montrer les signaux catastrophiques que l'on prédisait, n'est-ce pas? On va revenir sur les leçons qu'on pourrait tirer de cette expérience que notre pays, le Bénin, a vécue pendant pratiquement 15 mois. Oui, Hakimé Selou Ousseni, fermeture ou pas des frontières, est-ce que vous avez senti véritablement notre pays souffrir de cette mesure prise par le Nigeria? Non, d'une manière ou d'une autre, hein, nous en avons reçu un coup, parce que c'est vrai qu'on ne l'aurait peut-être pas senti beaucoup plus en termes d'économie publique formelle. C'est peut-être 75% d'informel qui est brassé entre le Nigeria et le Bénin. C'est peut-être pour ça que les économistes vous diront que le choc n'a pas été véritablement trop senti. Mais si vous demandez aux petits commerçants, à ceux-là qui font la navette entre Cotonou et puis les frontières avec le Nigeria, ils vous diront qu'ils ont ressenti la fermeture des frontières avec le Nigeria. Donc ça, c'est une réalité. Donc en termes de ressenti ou pas, il faut mettre, je dirais, le sujet dans une balance, dans une balance pour voir qui c'est qui se positionne pour en parler, bien entendu. De toutes les façons, il y a que c'est une bonne nouvelle. Je préfère beaucoup plus me réjouir de la réouverture des frontières, parce qu'en réalité, comme je l'ai fait constater, nos bonnes dames, nos petits frères, nos jeunes consorts, eh bien, avaient pour destination en termes d'échange le Nigeria. Et c'est d'ailleurs au nom de la fermeture de cette frontière qu'il y a eu ça, moi j'en garde véritablement comme une douleur, des personnes qui, en utilisant, je dirais, des raccourcis, se sont retrouvées à passer de vie à trépas. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, si les frontières sont ouvertes, c'est une bonne nouvelle. Il faut s'en féliciter, parce qu'en réalité aussi, les exigences qui ont été énumérées par le Nigeria, le Bénin, les a satisfaits depuis août dernier, parce que le point a été fait et on savait que, eh bien, entre le Bénin et le Nigeria, les exigences ont été aplanies et qu'il ne fallait pas peut-être espérer que ça dure. Mais finalement, c'est en décembre que le Nigeria a fait l'option d'ouvrir les frontières. C'est une bonne nouvelle. Donc, je crois qu'il faut s'en féliciter, parce que, comme l'a dit André, il y a déjà à peine frontières rouvertes. Vous avez vu un peu, je dirais, ce que ça a créé comme un mouvement au niveau donc, de cette frontière. Franchement, je crois que c'est tout bénef pour nous. Et il faut peut-être réorienter la collaboration avec le Nigeria. Mais pour l'instant, je pense qu'il faut s'en réjouir, se réjouir de l'ouverture. Voilà, qu'est-ce que vous voyez venir, Wakhabali Para, après l'ouverture de ces frontières-là, qu'on retombe peut-être dans les mêmes travers, ou que notre pays, le Bénin, prenne les dispositions idoines, un peu comme du côté nigérien aussi? Non, je crois que la fermeture des frontières, bien qu'on ait pris un coup, n'est-ce pas, ça nous donne une leçon. Vous avez l'habitude de dire que je tire leçon souvent des situations qui nous arrivent, n'est-ce pas? Les deux parties ont tiré leçon. Je crois que la partie béninoise a travaillé à donner une certaine force à son économie. On a souvent chanté le grand voisin de l'Est, le voisin nigérien, le grand voisin. Et c'était un peu comme si dans l'imagination collective, sans le Nigeria, n'est-ce pas, le Bénin ne pouvait pas vivre. Non, on a pu vivre
mais et survivre malgré la fermeture, voilà, malgré la fermeture des frontières, et qu'on a pu se s'adapter à la situation, à la situation. Néanmoins, quand on a fini de dire cela, il faut reconnaître que c'est une bonne nouvelle de voir que le président nigérian, n'est-ce pas, s'est retraité, a revu sa position et a ouvert les frontières. C'est les deux côtés qu'il faut saluer le président. Quand on a fini de saluer le mécanisme mis en place par le gouvernement béninois, le chef de l'État béninois, pour que l'économie béninoise puisse bien se porter malgré les conséquences de la fermeture des frontières du Nigeria et le coronavirus, il faut saluer l'autre partie également qui a fini par comprendre que aucun peuple ne saurait vivre en autarcie et qu'on a besoin de vivre et de renforcer nos liens circulaires qui datent d'il y a longtemps. Le Bénin et le Nigeria sont des frères. On a fini par comprendre cela à travers donc cette revêture des frontières qui a permis aux jeunes tâcherons, aux commerçants et autres de commencer par jubiler. Vous avez vu sur les images sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, ces scènes de liesse qui témoignent du fait que on attendait cela depuis fort longtemps. Bien qu'on ait pu résister, on attendait cette revêture des frontières. Aujourd'hui, on peut dire que les deux parties, le Bénin et le Nigeria, doivent davantage se prendre au sérieux et que, la position du Bénin, c'est-à-dire le Bénin s'est révélé aux yeux du Nigeria comme une puissance, après tout, comme un État bien souverain qui a la possibilité de résister et ne compte pas sur une télécommande venant du Nigeria. Alors, il y a beaucoup de réactions dans l'opinion depuis hier. Il y a par exemple la réaction de l'actuel maire de la commune de Djougou qui dit que la gestion de la crise née de la fermeture des frontières nigérianes a renforcé notre fierté de Béninois. Est-ce dire donc que c'est une expérience édifiante pour nous, Béninois, Herman Agnambosou? Oui, rappelez déjà que ce n'est pas la première fois que le Nigeria décide de fermer unilatéralement ses frontières. Ça l'a déjà été plusieurs fois sous Mathieu Kérékou, sous Boni Yayi, même bien avant. Pendant que d'autres présidents gouvernaient ce pays. Et ce n'est pas la première fois que Boiry aussi ferme les frontières. Et généralement, quand ça se ferme comme ça, on voit tout le salamalek qui entoure cette opération où les présidents béninois se retrouvaient un peu, c'est pas dos au mur, couraient aller voir leurs homologues du Nigeria pour négocier la réouverture immédiate ou pour négocier la réouverture, c'est sans doute avec des conditions de ces frontières. Il se fait que pour une première fois, et donc c'est en cela que j'épouse l'avis de l'actuel maire de Djougou, de notre ancien collègue, au passage, Malik Seibou Gomina, pour dire effectivement que ça renforce un peu notre sentiment de fierté, notre sentiment d'être béninois, parce que justement, on ne voit plus un Bénin qui va s'agenouiller devant le chef d'État nigérian pour dire excusez-moi, ouvrez-moi les frontières s'il vous plaît, parce que mon peuple est en train de souffrir. Je pense qu'effectivement, le Bénin a pu tirer le leçon de cette fermeture des frontières. Et je veux croire que l'ouverture des frontières, telle que décidée encore unilatéralement par le Nigeria, est fait l'objet de négociations entre les deux États. Parce que justement, nous avons vu le chef de l'État aller là-bas, nous avons vu le ministre de l'Économie et des Finances également participer à un certain nombre de réunions entre la partie béninoise et la partie. Et c'est en cela que je me demande à la fin si la CEDEAO ou le MOA, ces deux ensembles-là, servent toujours à quelque chose. Parce que je me dis, en temps normal, quand un pays décide de fermer ses frontières unilatéralement, et qui a ces grands ensembles, c'est pour très tôt essayer de voir ce qui peut encore l'être pour pouvoir corriger ces différentes erreurs. Je pense que le Nigeria, après 15 mois, a décidé d'ouvrir les frontières, mais en même temps, il y a un vieux qui enseigne, il y a un adage qui enseigne que même le bonheur appelle aussi des sacrifices. Nous nous mettions nos campons, nous sommes en période de fête de fin d'année, nous sommes au mois de décembre, et il faut s'interroger sur pourquoi est-ce que c'est au mois de décembre qu'on décide d'ouvrir les frontières. Pourquoi on n'a pas ouvert en décembre 2019? Je me pose des questions sur pourquoi est-ce que ça vient là, parce que n'oubliez pas. Et ça me rappelle un peu 2008, je ne veux pas faire une fixation sur un événement où des braqueurs sont venus assiéger le marché d'Antokpa pendant plus de 30 minutes. Je voudrais qu'on puisse renforcer un peu les choses et montrer qu'effectivement, la réouverture des frontières avec le Nigeria est bien négociée pour qu'on soit à la suite de ce commentaire de Herman. Oui, bon, André. Lorsque vous demandiez, est-ce que finalement, ça n'a pas été une expérience édifiante pour nous, ne semblait pas si bien dit, c'est le cas de le dire, justement. Ça a été édifiant. Parce que, vous voyez, et c'est là que je partage entièrement la réaction du maire de Djougou.
on n'a pas dû aller s'aplatir devant l'autorité nigériane. On n'a pas dû aller faire le cabi ici, je ne sais pas quoi, pour quémander la réouverture des frontières. Le Nigeria a évoqué un certain nombre, a énoncé des exigences que le Bénin s'est employé. Je crois aussi que l'ensemble des autres pays se sont employés à corriger, à répondre. Et à un moment donné, malgré donc les insistances d'un certain nombre d'instruments sous-régionaux, la CEDEAO, etc., d'accord, vous demandez au Nigeria, mais à présent, de procéder à la réouverture des frontières, ça n'a pas été fait. Et cela finalement relevait de caprice. Vous voyez, parce qu'on ne pouvait plus comprendre que les partenaires du Nigeria aient donc satisfait à ces revendications-là et que les frontières ne soient pas réouvertes. Et il faut aussi relever que, oui, c'est vrai, nous sommes le Bénin, un pays aux ressources limitées. On ne peut pas avoir la prétention des moyens du Nigeria, qui est l'une des puissances pétrolières mondiales, ainsi de suite. Mais nous nous sommes dit, à un moment donné, il faut qu'on travaille à rester digne, à rester fort, ça a contribué à nous rendre résilients. Nous ne sommes pas morts, on n'a pas disparu de la terre à cause de la fermeture de la frontière, contrairement à ce que l'on nous faisait croire. Au contraire, imaginez qu'avec les chocs exogènes que subissent l'ensemble des économies au plan mondial, la Covid en l'occurrence, le Nigeria enchaîne les récessions régulièrement. Et actuellement, d'ailleurs, ils sont en difficulté économique, le Nigeria. Il y a des problèmes, des difficultés, les inondations ont mis en difficulté l'agriculture nigériane, ainsi de suite. Donc, le Nigeria qui est en train d'ouvrir, de rouvrir les frontières aujourd'hui, est moins, de mon point de vue, fort que ce Nigeria qui a fermé les frontières à l'époque. Donc, quelque part, n'allez pas forcément penser que c'est seulement pour le bien de ces pays limitrophes que le Niger procède à la réouverture des frontières. C'est aussi peut-être aussi, pourquoi pas, pour résoudre des problèmes à l'interne, que vous avez le contenu de la décision. On dit réouverture immédiate, comme si, bon, il y a eu une urgence tout d'un coup. Il y a eu quelque chose qui s'est produit. Bon, j'ai lu un document qui évoque le fait que le Nigeria dirige aujourd'hui l'EMC, c'est un des éléments peut-être qui a également contribué à ça. Mais je pense que sincèrement, on a pu montrer au Nigeria que nous sommes en train de nous battre pour changer et que nous ne sommes plus ce Bénin qui a connu, donc qui a subi les différentes fermetures de frontières et qui en a sérieusement souffert. Ça ne veut pas dire que nous n'en avons pas souffert. Je suis d'accord avec Hakimi que oui, quand tout informel que peut être notre collaboration avec le Nigeria, en grande partie en tout cas, c'est que forcément nous avons souffert, même au plan formel, nous avons d'une manière ou d'une autre souffert de ça, mais nous en avons appris, nous avons tiré des leçons de ça, ça nous a renforcé. Aujourd'hui, l'apport de la réouverture ne sera qu'un bonus pour notre économie et un bonus pour l'ensemble de la communauté nationale. Je crois que c'est une bonne chose que d'avoir montré cette dignité-là face au Nigeria. Dieu merci, les rapports vont reprendre de plus belle. Les gens qui devaient passer par des chemins de contournement, risquant donc leur vie pour continuer à poursuivre, à mener leurs activités, ne devront plus le faire. C'est heureux, saluons cela et souhaitons que ça ne puisse pas se reproduire à l'avenir, que le Nigeria n'ait plus de raison de procéder à une fermeture de frontières et que Buhari n'ait pas à faire une fermeture de frontières une troisième fois également, parce que l'histoire montre que c'est lui qui prend souvent du plaisir à fermer les frontières, quand bien même lui-même ça lui crée. Non, moi j'épouse cette analyse de André Dossa qui reconnaît ou qui fait reconnaître qu'on n'a pas ouvert les frontières juste parce qu'on veut faire plaisir au Bénin. Il y a que dans les intestins du Nigeria, ça ne va pas bien aussi. Et par conséquent, il faut le développement de l'actualité. Merci bien. Maintenant, quand on a fini de dire ça, quand on a fini d'applaudir ou de reconnaître le mérite et l'énergie déployée par les deux chefs d'État, il faut poser le problème, souligner le volet sécuritaire. Nous sommes à la fin de l'année, à l'approche des fêtes, et l'ouverture l'ouverture des frontières intervient en ce moment. Ça va donc poser un véritable problème de sécurité, et donc à ce niveau, nos forces de l'ordre et les forces de défense et de sécurité sont interpellées, n'est-ce pas, de manière à ce que la vigilance soit davantage de mise. Les produits qui vont circuler, il va falloir que les cadres et les services du ministère de l'Intérieur chargés du contrôle et autres puissent renforcer davantage ce contrôle-là, de manière à ce que les produits de mauvaise qualité ne puissent pas profiter de la réouverture des frontières pour atterrir sur nos territoires et qu'en janvier prochain, on puisse dire qu'on a des intoxications alimentaires. Ce sont donc quelques défis qu'il faudra relever en cette période, Hakimi Seydou Séni.
Non, je crois que tout a été déjà dit. On a pratiquement beaucoup élaboré sur la question. Aujourd'hui, c'est simplement se rassurer que, eh bien, tel que c'est ouvert, qu'on travaillera à ce qui n'est plus une énième fermeture de frontières avec le Nigeria. Parce que, comme je l'ai fait constater, depuis août dernier, les exigences du Nigeria ont été, je dirais, plus ou moins satisfaites par le Bénin. Et donc, quand c'est comme ça, il y avait donc peut-être les éléments qui étaient à la base de la fermeture. D'accord, aujourd'hui, le Nigeria n'aurait plus de raisons de continuer à fermer les frontières. Il était quand même temps. Parce que, comme je l'ai dit, depuis août, on attendait la réouverture des frontières au regard, je dirais, des rencontres que les émissaires de part et d'autre ont eues, et même des rencontres au plan continental, on était en droit de croire que, eh bien, les choses n'allaient pas trop durer. Bon, finalement, l'Indira se décide d'ouvrir en décembre 2020. Il faut mettre en travers ce qui n'est plus de fermeture de frontières. Et comme nous l'avons constaté, les leçons ont été tirées de cette fermeture de frontières. Il va falloir qu'on puisse maximiser, c'est-à-dire que la plus-value de cette fermeture-là puisse nous permettre de reconsidérer nos relations avec le Nigeria. C'est Il faudrait vraiment travailler à ce que les populations, en tout cas ceux-là qui fréquentent le Nigeria, puissent avoir l'information précise sur ce qu'il doit faire désormais pour ne pas retomber dans ce qu'on nous a encore tant reproché. Oui, ce qui est certain, cette fermeture des frontières avec le Nigeria a créé des problèmes de part et d'autre, aussi bien chez le peuple nigérian que le peuple béninois. Et donc aujourd'hui, une fois que les frontières ont été rouvertes, vous allez constater que ça va créer une certaine ruée. J'ai suivi ce matin sur RFI un reportage de Jean-Luc Aplogan qui faisait un peu le point de l'ambiance qui régnait autour des frontières avec des tâcherons, avec des conducteurs de camions, des marchandises avariées. Et donc, vous allez voir que celui qui, un bon commerçant, a pris des marchandises qu'il voulait convoyer vers le Nigeria et qui a été arrêté à ses frontières, il ne va pas déverser ces marchandises-là, c'est pas dans un bas-fond. Il va forcément chercher parce qu'il a déjà investi, il va forcément chercher les moyens pour les écouler. Donc, ça peut créer, un peu comme Rab l'a dit, une certaine situation où vous allez voir le Bénin être assailli par des produits avariés. Nous sommes en fête de fin d'année. Le volet sécuritaire, je l'ai déjà dit tantôt, il a rappelé également. Et donc, il faudrait qu'il y ait une certaine vigilance à nos frontières parce que quand ça se ferme de part et d'autre et que ça rouvre, vous allez voir constater une certaine ruée de part et d'autre. Et donc, il faut vraiment faire attention à ce qui circule en ce moment. Vous avez mis l'accent sur un élément crucial, l'information. L'information. Parce qu'on n'a pas suffisamment ventilé les raisons profondes de la fermeture de la frontière par le Nigeria. Oui, ne réexportez pas un certain nombre de produits. On a tellement matelé ces aspects-là que c'est devenu des lieux communs. Mais il y a beaucoup d'autres éléments cruciaux que le Nigeria demandait et qu'un pays sérieux, digne, ne peut pas accepter. Lorsqu'on a des revendications allant dans le sens de contrôler notre porte-monnaie, c'est-à-dire voir ce qui passe par notre port, ce n'est pas possible. Lorsque, par exemple, le Nigeria, c'est pertinent, c'est tout à fait normal que le Nigeria nous demande, nous enjoint de ne pas envoyer, de ne pas réexporter des produits d'importation, n'est-ce pas, passant par notre port, sur son territoire, c'est bien, entre autres les produits chinois, ainsi de suite. Mais le même Nigeria peut nous demander à côté d'accepter de nous ouvrir à des produits fabriqués par des Chinois, délocalisés chez lui, vers nous. Ainsi, il y a ces éléments, en fait, qui sont des éléments tout à fait capricieux, de mon point de vue, que le Nigeria demande, mais ici, bon, on n'en parle pas assez. Et les uns et les autres, c'est aussi ça, ce pays. C'est extraordinaire. Il y a même des Béninois, depuis l'annonce de la réouverture, mais qui se fâchent, qui se demandent, mais pourquoi? C'est à quoi que, bon, quand on ferme, je ne sais pas. C'est quand on rentre dans des considérations politiciennes que c'est ainsi. C'est malheureux, mais c'est aussi ça, ce que nous sommes dans ce pays. Aujourd'hui, en tout cas, moi, je suis d'autant plus fier qu'on n'ait pas dû faire des allers-retours, des genouflexions devant le Nigeria pour réouvrir la frontière. Maintenant, il faut se réjouir que les deux peuples puissent facilement se fréquenter et mener leur vie commune comme cela se doit. Dans les manœuvres politiciennes, André a oublié de souligner ceux-là qui aujourd'hui veulent porter le manteau ou sinon assurer la paternité de cette ouverture des frontières, estimant que c'est leur mea culpa, leur doléance et autres qui ont amené le Nigeria à ouvrir les frontières. Je pense qu'il faut nettoyer tout cela de la conscience des citoyens béninois. Et le Bénin et le Nigeria, très rapidement, ce n'est pas aujourd'hui, un peu comme le souligne André Dossa, qu'on voit ces caprices du Nigeria. Je crois que, comme on a souvent chanté grand voisin, ils ont cette chair de boule et autres. Je me souviens très rapidement que l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, je crois, en
en 2011 pour les élections, au moment où entre l'opposition et Boni Yayi, ça flottait un peu, le président nigérien est venu ici et, avant de retourner dans le discours, dans l'interview qu'il a accordé au Salon d'honneur, il disait que je ne veux pas entendre que... Non, très vite, les Béninois se sont surchauffés. Même l'ancien président béninois, Moustapha Dieudonné Soglo, avait réagi, estimant que nous ne sommes pas une sous-préfecture, n'est-ce pas, du Nigeria. Il ne faut pas qu'on vienne nous intimer l'ordre comme ça. Merci, Wafa. On va parler politique. Et puis, un fait d'actualité, un dialogue national pour discuter des problèmes du Bénin. C'est en tout cas ce que propose l'ex-chef de l'État, Boni Yayi. Il souhaite la tenue de ce dialogue national avant la présidentielle de 2021. Et c'était hier quand il s'est rendu au siège de son parti pour la présentation du récépissé de ce parti politique, les démocrates. Alors, en lieu et place de l'appel à la réconciliation lancé par Patrice Talon lors de sa tournée nationale, son prédécesseur, Herman Parfait Anyambosu, préconise un dialogue national, une autre assise après le dialogue politique de 2019. Alors, 2019. On va situer le contexte. On parle de dialogue national généralement dans les pays où il y a la démocratie, dans les pays à forte démocratie, quand il y a crise. Je me pose une question. Est-ce que le Bénin est actuellement en crise au point où un ancien chef d'État, Boni Yayi, c'est vrai qu'il le immédiat passe président pour situer un peu les choses, il demande qu'on aille à un dialogue national. Dialogue national pour quoi faire? Quand on lit un peu ces propos rapportés par des journaux sur la toile, il dit dialogue national pour permettre aux bonnes volontés de pouvoir... Alors justement, voir quelques captures que nous avons avec la réalisation. Alors, pour permettre aux bonnes volontés de pouvoir s'asseoir, pour il dit qu'il croit au Père Céleste pour que ça puisse arriver. Alors, il y a quelques jours avant, le président actuel, Patrice Talon, lors d'une tournée, a dit qu'il tendait la main à son prédécesseur pour que les deux puissent s'entendre et pouvoir se réconcilier. Alors, moi je me dis, ce dialogue aurait pu intervenir si Boni Yayi, au lieu d'appeler à un dialogue, allait directement ou trouvait les voies et moyens pour que lui et son successeur puissent se parler. Peut-être qu'au cours de ce tête-à-tête-là, les deux auraient pu s'entendre pour se dire, écoutez, on va vers telle chose. Si le dialogue, c'est pour régler un problème particulier ou un problème, c'est pas personnel, je ne sais pas pourquoi il faut aller à un dialogue national. À qui essayez-vous, Céline, un dialogue national? Bon, c'est... on est vraiment dans l'arène politique. Et je crois que si Boni Yayi en parle là, certainement, c'est raison. Il répond peut-être, je dirais, ou peut-être il porte à la surface une doléance, certainement, des militants de ceux et celles avec lesquels il partage la même conviction politique. Un dialogue national, ça veut dire que c'est au-delà du dialogue politique. Ça veut dire que ce ne sont pas seulement les acteurs politiques qui seront appelés à ce dialogue. Il va peut-être falloir espérer qu'il y ait des membres de la société civile, toutes les couches de la société. Parce que peut-être Boni Yayi estime que la situation est telle sorte qu'il va falloir s'asseoir pour véritablement échanger au sujet des questions de la nation. Mais bon, et avant la tenue de la présidentielle du 11 avril 2021, je ne sais pas est-ce que l'agenda le permet. De toutes les façons, je crois que c'est une invite et elle reste une invite. Bon, on va conjecturer autour et puis bon, on va voir ce que ça va donner. Sinon que bon... J'attends de voir si ça va prospérer, parce que ça va donner franchement quoi. Oui. Voilà. Alors, Patrice Talon qui appelle à une réconciliation avec son cher ami Boni Yayi. Boni Yayi qui, en réponse aujourd'hui, demande à ce qu'on reconvoque tout le monde pour un dialogue national. André Dossa, quelle lecture faites-vous de cette demande? Est-ce que c'est faisable avant la présidentielle de 2021, comme l'a souhaité Boni Yayi? Je crois que désormais, lorsque Boni Yayi se prononce, il faut considérer, il faut analyser ses propos sous le prisme désormais d'un responsable de parti légal. Et il me semble que c'est en marge de la présentation du récépissé à leur président d'honneur que celui-ci a fait cette déclaration de demande donc d'un dialogue national. Donc c'est en tant qu'un acteur politique, président d'honneur d'un parti régulièrement créé en République du Bénin qui se prononce. Et c'est un parti d'opposition.
Donc Boli est dans son rôle de se prononcer, d'estimer que ça ne va pas et donc d'avoir un discours qui va avec. Alors, Boni Yayi pense que nous devons aujourd'hui organiser très rapidement un dialogue national. Alors, quand on fouille un peu, c'est quoi un dialogue national? Un dialogue national, c'est un des instruments, un instrument excellent d'ailleurs en matière donc, de règlement de conflits, hein, pour résoudre des crises. Et donc, c'est un instrument qu'on utilise dans des pays où on est en crise. Ça amène à la question de se demander, est-ce que nous sommes en crise au Bénin? Le conflit se situe à quel niveau? La réponse, vous l'avez dit, c'est en répondant à son ami, j'utilise vos esprits, vos propos, et Christian, vous avez, son ami Patrice Talon. Parce qu'effectivement, ce dernier a tendu une perche, lui a tendu la main, a même entrepris des leaders, des chefs traditionnels, parfois parents de Boni Yayi pour leur demander de les aider à se réconcilier avec son ami. Alors, pourquoi un souci entre deux amis peut engager un peuple? Vous savez, en politique, les gens ont la facilité de se prononcer au nom du peuple. Tous les acteurs politiques sont des porte-parole du peuple. Et c'est au nom du peuple que Boni Yayi demande un dialogue national. Oui. Cela m'a amené à faire un petit exercice. Je suis retourné un peu dans un passé pas très lointain pour remarquer que les mêmes démarches qui donnaient des urticaires à des acteurs aujourd'hui sont les instruments qu'ils utilisent. Il me souvient qu'en son temps, lorsque l'Union fédérale des nations, entre autres, organisait des assises, réfléchissait, et au nom de ses conclusions, demandait, suggérait la tenue d'assises nationales pour se pencher sur un certain nombre de questions. Par exemple, faut-il aller aux élections avec l'ALEPI à l'époque bâclée, et ainsi de suite, en tout cas, qui n'obtenait pas l'adhésion de tous les acteurs, ça suscitait de sa part une certaine réaction, mais qu'aujourd'hui, c'est lui qui propose cet instrument-là. Ça veut dire que, finalement, en fait, nous sommes en démocratie. Pourquoi je le dis? Nous sommes en démocratie parce qu'en fait, c'est quoi la démocratie? Un pays, un état de droit. C'est un état où les rôles changent en fonction des alternances. Aujourd'hui, pour retrouver au pouvoir, vous prenez des décisions au nom du peuple. Vous prenez des mesures, vous engagez l'État dans un certain nombre d'actions. Mais lorsque le peuple décide de vous retirer son suffrage et sa confiance et le confie à vos contempteurs, ceux qui, en fait, en face, ne partagent pas votre façon de faire, et bien, ils peuvent changer ce que vous avez mis en œuvre. Donc, en réalité, de mon point de vue, je crois que oui, l'acteur politique Boni Yayi est dans son rôle de demander le dialogue national, de considérer que ça ne va pas, ainsi de suite. Mais je pense qu'il doit pouvoir considérer que nous sommes en démocratie, et que lorsque nous irons aux élections en avril, s'ils se battent suffisamment pour obtenir la confiance du peuple, ils pourront aussi peut-être élaborer leur charte des partis politiques, imposer les lois qui leur plaira le moment venu, ainsi de suite, et peut-être espérer que d'autres personnes également demandent dialogue national. En son temps. Oui, voilà, le pays est-il en crise pour qu'on demande à ce qu'on aille à un dialogue national? En tout cas, sur ce plateau, vous semblez ne pas avoir la réponse juste à cette interrogation. Mais lorsqu'on suit un peu les propos de Boni Yayi, nous l'avons d'ailleurs vu tout à l'heure à l'écran, il dit que le peuple béninois réclame le retour de la démocratie, de l'état de droit, du respect des droits de l'homme et des libertés démocratiques. C'est dire donc que c'est autour de ces questions-là que les différentes parties pourraient se prononcer à ce dialogue national si éventuellement il se tenait. D'accord. Genre, ça, ce sont des étapes. Ça, ce sont des besoins que certains Béninois expriment et que Boni Yayi peut-être dans une certaine mesure se fait le porte-parole de ces Béninois-là. Mais moi, je voudrais qu'on aille étape par étape. On se souvient que dans cette même République du Bénin, en octobre 2019, Patrice Talon, chef de l'État béninois en exercice, avait convoqué un dialogue dit politique, sauf erreur de ma part, et que les ailes dures du parti Force Coury pour un Bénin émergent, qui donc aujourd'hui se retrouve dans le parti Les Démocrates, où Boni Yayi est président d'honneur, ces ailes dures ont boycotté
ce dialogue politique où on avait l'occasion, l'opportunité donc de surpasser nos égos, nos orgueils et autres et poser les véritables problèmes. Et je pense que ceux qui au moins ont participé à ce dialogue politique ont eu l'occasion, ont eu le mérite au moins de poser les besoins, les problèmes qu'ils avaient, même si tout n'a pas été pris en compte et même si les besoins qui ont été pris en compte n'ont pas été mis en œuvre à la satisfaction totale de tous les participants à ce dialogue politique. Ça, c'est un premier point. La deuxième étape, c'est que le chef de l'État, Patrice Talon, a demandé, au cours de cette tournée, n'est-ce pas, prenant acte du fait que, bon, les choses sont quelque peu nescapées entre eux et qu'il faut peut-être une certaine sucrerie dans leur relation à deux, a souhaité, avec la contribution des sages, des plus proches de la région de Boni Yayi, une certaine réconciliation. Donc, Patrice Talon met à contribution ces populations, ces sages et notables, n'est-ce pas, de manière à ce qu'il y ait ce rapprochement. Je pense que Boni Yayi réussirait, n'est-ce pas, à accepter cette rencontre peut-être entre lui et Patrice Talon, de manière à ce que leur problème à deux, connu de tout le monde, soit d'abord réglé, n'est-ce pas? Un peu comme ce fut le cas en 2016. Voilà. Donc, quand ce problème à deux est réglé, ils profitera peut-être de cette occasion et se fait le porte-parole d'abord de tous les Béninois qui expriment que les libertés sont confisquées, qu'il n'y a pas à manger, qu'il n'y a pas l'état de droit, que la démocratie est en bête. Bref, tous ces besoins-là, Boni Yayi aurait l'opportunité de l'exprimer. Et là, Patrice Talon étudiera la possibilité d'un dialogue national. Mmh. Encore, la condition qui est posée me gêne quelque peu parce que quelle crise nous avons, quelle situation est si tendue et qu'on n'a pas pu profiter du dialogue politique qui est venu en avant, n'est-ce pas? Et que c'est aujourd'hui qu'on souhaite régler des problèmes liés au dialogue national. Et vous comprenez combien ça devient de manière plus élargie, un peu comme l'a dit Hakimé dans sa prise de parole tout à l'heure, qu'il ne s'agit pas de dialogue politique, donc limité seulement aux acteurs politiques, qu'il s'agit d'un dialogue national qui fait donc appel à toutes les couches de la société. Moi, je pense que... je voudrais retourner au propos d'un certain Alassane Soumanou Djemba, Kateri, sur ce plateau. Il me semble qu'on n'a plus besoin de faire des dessins pour montrer combien il fut très proche de Boni Yayi et on peut lui accorder quand même une certaine présomption de connaître Boni Yayi. Je pense qu'il peut faire partie de ce qu'on peut dire, qu'il connaisse Boni Yayi. Et qui a estimé que le problème, plutôt, c'est entre deux hommes. Donc, en lieu de place de dialogue national, on devrait plutôt demander un dialogue à deux. À deux. C'est-à-dire une réconciliation entre amis. Lorsque Mathieu Kérékou et Nicéphore Soglo ne s'entendaient pas, Soglo, Nicéphore, à l'époque, incarnant l'opposition à Mathieu Kérékou, ne demandait pas un dialogue national. Les deux, ils se voyaient. Et nous étions loin de ce qui se disait en aparté, on se contentait de photos et des souris, même si c'était parfois des souris affichées pour la circonstance. La réconciliation qui a eu lieu à Abidjan, nous ne savions pas. Le peuple qu'on évoque aujourd'hui ne savait pas ce que Boni Yayi et Patrice Talon se sont dit à l'époque. Même tous ceux qui ont été engagés dans ce conflit, le combat entre deux amis, chaque personne, ils ne savaient pas ce qu'il y avait concrètement entre ceux qui les opposaient. Pourquoi maintenant on veut mettre le peuple derrière pour demander un problème à régler entre deux hommes? Je pense sincèrement qu'on peut faire mieux. Moi, d'un point de vue, il faut que Boni Yayi et Patrice Talon se retrouvent. Et s'ils s'entendent, tant mieux, c'est ce que nous souhaitons tous. S'ils ne s'entendent pas, mais que chacun reste dans son couloir et milite. Maintenant, en tant qu'acteur politique, si la démarche, c'est de faire en sorte que ce qui apparaît aujourd'hui comme élément d'exclusion par rapport au processus électoral, à savoir le parrainage, puisse être réglé pour permettre aux uns aux autres d'aller à ces élections-là, je suis d'accord, mais le dialogue national, ainsi de suite. Et pour finir, je vais faire moins sérieux, ça je le dis d'emblée, je vais faire moins sérieux. J'ai le sentiment que Boni Yayi pense qu'il peut encore être président de la République. C'est un sentiment que j'espère. Alors, on va vous écouter de ce côté, on va vous écouter. Heureusement qu'André a dit qu'il va faire moins sérieux. Boni Yayi, il ne rêve pas. Vous l'avez écouté, j'exprime un sentiment. J'exprime un sentiment. Je peux me tromper, c'est un sentiment. Je ne dis pas que vous êtes trompé. Boni Yayi ne rêve pas d'être chef d'État, non pas du tout. C'est juste que, bon,
nous constatons que la fière est, la satisfaction d'avoir enfin le récépissé et de le constater amène Boniaga à prendre la parole publiquement d'une manière ou d'une autre. Non, je crois que c'est à mot couvert, le dialogue national demandé certainement par le chef de l'État. C'est sûr que, comme nous l'avons souvent demandé aux hommes politiques qui ont défilé sur le plateau, la question du parrainage doit être, je crois, l'élément fondamental sur lequel Boniaga aurait voulu qu'on puisse beaucoup plus prononcer. Vous vous souvenez ici, sur le plateau, que j'ai insisté pour dire que c'est un sujet essentiel et qu'il faut un débat politique autour. Bon, si Boniaga l'élargit... Est-ce que le débat politique n'a pas déjà été fait au cours de ce dialogue politique d'octobre 2019? Non. Concernant le parrainage, oui. Non. Le parrainage, non, oui. Non. Mmh. Le débat n'a pas été suffisamment fait. Mmh. Et ça, il faut avoir au moins le courage de le dire. Mais de toutes les façons qu'on l'a fait constater, il n'y a que c'est les tests qui ont prévu qu'il y ait parrainage. Mmh. Et de la même manière... Non seulement le parrainage n'était même pas encore inscrit Exactement. Mmh. Donc, d'une manière ou d'une autre, s'il y a une possibilité qu'ils échangent entre eux, acteurs politiques, pour voir comment est-ce qu'on permet, on facilite l'obtention du parrainage de consorts, ça c'est un autre débat, ils vont le faire. Mais je constate que Boniaga demande gros, peut-être pour avoir peu. Donc c'est politique, voilà. Et bon, voilà quoi. En tout cas, parce que le dialogue aura lieu par la grâce de Dieu, Boniaga, puisqu'on jugeait de l'opportunité de ce dialogue des conditions dans lesquelles cela pourrait se tenir. Herman Parfait, Agnambou Soubou. Oui, c'est vrai que c'est un match de la réception du récépissé provisoire. Du Parti des démocrates que Boniaga a tenu de tels propos, lequel récépissé lui avait été présenté par Paul Rumpa, je rappelle, mais pour lequel il a demandé qu'on lui présente l'original. C'est vrai que on parle aujourd'hui du parrainage et on estime qu'il ne faut pas aller aux élections présidentielles avec le parrainage parce que justement on estime qu'au Parlement il n'y a pas toutes les forces politiques représentées au Parlement. On estime également qu'au niveau par exemple des communes, lesquelles maires doivent également parrainer, qu'il n'y a pas suffisamment de partis politiques représentés. Sinon, je rappelle que le parrainage a été quand même déjà abordé plusieurs fois sur des émissions par des acteurs politiques clés de ce pays et même au dialogue politique. Et donc si je me dis si au Parlement on avait fait en sorte qu'il y ait 4-5 forces politiques au Parlement et que par exemple les élections communales on ait fait pour qu'il n'y ait pas que l'UP, le BR et les forces communes émergentes, peut-être que ce parrainage aurait été aujourd'hui applaudi des pieds et des mains par les acteurs politiques qui réclament aujourd'hui qu'on supprime ça. Je pense que l'un mis dans l'autre, le parrainage aujourd'hui pour ma part intervient comme un tamis, un vrai tamis. C'est vrai que le mode aujourd'hui de parrainage tel que c'est fait, encore même que au niveau des forces politiques, on nous a dit que des moyens ont été mis en œuvre. On nous a également dit au niveau de la Sénat que l'anonymat est requis pour que les partis politiques puissent parrainer qui ils veulent. Les partis politiques puissent donner leur accord. Je me dis pourquoi ne pas faire foi à toutes ces précautions prises par de part et d'autre pour qu'on aille à ces élections avec le parrainage. C'est après on pourra corriger. Je pense qu'on a plus assez de temps. Non, je crois que foi ou pas, la situation est claire. Hein. Le parrainage échappe aux forces de l'opposition. Ça, c'est une réalité. Mmh. Il y a 82 députés qui embouchent la trompette de pouvoir. Nous avons 77 maires moins 6 qui embouchent la trompette de pouvoir. Donc, a priori, on n'a même pas à discuter. C'est même pas... on n'estime pas. Il y a 82 députés, il y a 77 moins 6 qui ont le parrainage requis pour, je dirais certainement, un candidat de la mouvance présidentielle. Donc, il y a déjà un débat, il y a déjà un faux pas qu'il faut faire constater. Donc, c'est pour ça que j'insiste pour dire, si les acteurs même font l'option d'échanger à propos, on peut faire le débat. Mais reconnaissons tous qu'il y a une mal-donne dans cette affaire de parrainage. Au moins, en tenant compte du contexte politique actuel, oui. Il y a que les forces de l'opposition sont en difficulté en termes d'obtention des... Pas toutes les forces de l'opposition. Il y a par exemple la force que Rupin Bénin émergent va faire des salamalek. Alors qu'il n'aurait pas fallu qu'on fasse des salamalek. On a, je dirais, des représentants au niveau de l'Assemblée nationale. On en a au niveau donc des conseils communaux. Et donc, du coup, ça devait se faciliter. Maintenant, négocier, d'accord. Et c'est ce qu'ils vous ont dit plusieurs fois. Le ministre Alassane Soumandimba dit qu'ils vont négocier. Ils ont même d'anciens FCB qui sont aujourd'hui avec la masse présidentielle qu'ils pourraient aller.
demander pourquoi les autres candidats également ne feraient pas la même démarche. Vous n'entendrez pas un candidat de la mouvance dire j'irai négocier le parrainage. Non, cette expression-là, vous ne l'entendrez pas d'un candidat de la mouvance. Bien entendu, les candidats de l'opposition sont en position de faiblesse et c'est eux, comme on dit, la main qui demande, c'est elle qui reste en bas. Vous voyez tout le schéma de Meya Koulpa, de Salam Alek, d'aller s'agenouiller, demander parrainage et autres. Quand vous parlez du parti Force Courrier pour un Bénin émergent, ce n'est pas gagné d'avance. C'est peut-être qu'ils ont une portion d'avance ou bien de pas en avant que les autres partis de l'opposition. C'est la seule différence. Et le verre est à moitié vide au niveau du parti Force Courrier pour un Bénin émergent parce que pour l'instant, ils ont six parrains. Et sur ce plateau, c'est à la place de Ayman Aniambosu et que je recevais Paul Humpe qui disait que d'abord rien ne garantit que le jour où il faut apposer la signature pour le parrainage, que les six parrains de il y a un véritable problème qui se pose et qu'il faut reconnaître que le parrainage constitue un os à la gorge des partis politiques. Oui, c'est clair qu'il faut faire en sorte que la présidentielle prochaine soit une élection totalement inclusive. Mais j'ai une question à poser. Est-ce que parce qu'on fait une élection inclusive, que tous les partis, dans le contexte donc de l'instauration du parrainage, que tous les partis politiques auraient eu assez d'élus pour avoir le parrainage? Ce n'est pas évident. C'est pas évident. Ce n'est pas évident. On peut avoir fait une élection inclusive sans que les partis, même de l'opposition, n'aient pas assez de parrains et doivent donc aller en chercher pour compléter. Donc, ça n'exclut, c'est une question. Ça n'exclut pas que la prochaine élection présidentielle doit pouvoir être une élection inclusive. C'est bon. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous allons recevoir notre invité tout à l'heure, Abdoulaziz Malik. Il est le directeur de la programmation et la prospective du ministère du Travail. On reviendra donc sur ces horaires de travail réaménagés à partir du 1er janvier 2021. Juste après, on parlera du réchauffement climatique. Faut-il repenser la lutte au niveau local avec Dr Bio Oruniki et la journaliste environnementaliste invitée de Fulbert Adjumerosou. La pause pub, je vous reviens juste après. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Et voilà, l'invité sur Actu Matin, Abdoulaziz Malik, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le directeur de la programmation de la prospective au niveau du ministère du Travail et de la Fonction publique. À partir du 1er janvier prochain, eh bien, les travailleurs de l'administration publique vont devoir se conformer à ces nouveaux horaires de travail. Qu'est-ce qui a bien pu nous emmener, Béninois, à cette réforme? Merci beaucoup. La question de l'aménagement des horaires du travail n'est pas une question qui est tombée ex nihilo. D'abord, il y a une histoire sur le réaménagement horaire dans
l'administration béninoise. Et il y a la volonté du chef de l'État qu'il a déjà manifesté au niveau du PAG lorsque vous prenez l'action qu'il veut que l'on puisse aboutir à la dynamisation et à la modernisation de l'administration publique. Donc, au niveau de son diagnostic, il a posé déjà le problème de l'amplitude horaire. L'amplitude horaire, plusieurs personnes n'arrivent pas à voir la nuance entre l'amplitude horaire et la masse horaire. Okay. Le diagnostic du chef de l'État a été clair à ce niveau-là. C'est-à-dire, lorsque vous devez venir au bureau à 8 heures, commencer le travail, c'est que déjà vous êtes conditionné, soit à partir de 7 heures, soit à partir de 7h30 au bas mot, même si vous êtes déjà proche de votre lieu de travail. Donc, à partir de ce moment-là, que vous êtes conditionné à partir de 7 heures et vous sortez à 18h30, c'est que vous êtes resté pratiquement 11h30 dans les liens de l'administration. Cette amplitude-là pose un problème de santé, même déjà au niveau des agents de l'État. Et ça pose un problème de conflit entre la vie professionnelle et la vie familiale et privée. Donc, il y a un certain nombre de problèmes qui ont été posés par le chef de l'État, donc qui nous a obligés à mener ces études et proposer donc ce schéma de réaménagement horaire. Est-ce que en le faisant ainsi, vous n'avez pas catégorisé, je dirais, les fonctionnaires? Le fonctionnaire qui est obligé ici à Cotonou de se lever, d'être dans les liens de l'administration à partir de 6 heures ou de 7 heures n'est pas le même que celui qui à Natitengou est à 2 minutes de sa maison et de son service. Est-ce que vous avez tenu compte de tous ces éléments-là pour en arriver, je dirais, au réaménagement que vous nous proposez cette bien fois-ci? Bien entendu, je suis très content que vous ayez compris la démarche du chef de l'État d'une manière ou d'une autre. En posant déjà la question, vous avez posé la même question, le même problème que le chef de l'État. C'est-à-dire, pour le chef de l'État, il nous a été demandé d'étudier la répartition des agents de l'État sur toute l'étendue du territoire national. On s'est rendu compte que c'est moins de 30% qui existent dans ce que nous appelons Cotonou et ses environs. Ouais, vous voyez? Donc, je vais vous dire comment cela a été pris en compte la vie des autres. Quand on a fait cette répartition, on s'est rendu compte qu'en réalité, il faut tenir compte de la grande masse qui est répartie sur l'ensemble du territoire national. Alors, donc, l'échantillon que nous avons utilisé, que le consultant a utilisé pour son étude, est un échantillon de 3377 personnes répartis sur l'ensemble du territoire national. Mais ce ne sont pas les agents de l'État seulement qui ont été interrogés. Il y a les parents des agents de l'État. Il y a les élèves. Il y a les usagers de l'administration. Le chef de l'État a voulu qu'on tienne compte de tout ce qui a, ce que nous appelons les parties prenantes qui sont affectées par les horaires tels que pratiqués aujourd'hui. Dans l'échantillonnage, vous avez parlé des enfants. Quelles ont été les questions qui ont été posées aux enfants? Est-ce que les enfants vous ont dit que les parents leur manquent ou est-ce que vous avez la certitude que réellement... Vous avez déjà répondu à la question. Parce que quand vous êtes fonctionnaire et qu'on prend votre enfant par rapport à quelqu'un qui n'est pas fonctionnaire, du fait de cette amplitude horaire, celui qui n'est pas fonctionnaire peut même déjà aller à l'école, déjà s'occuper plus de son enfant. Il est plus présent à la maison que vous qui êtes dans une amplitude très large. Je ne parle pas de masse horaire qui est de 40 heures. Je parle d'amplitude. Okay. Lorsque vous prenez même ceux que nous estimons qui sont au village et partout, quand ils sortent à 18h30, mais les enfants sont déjà sortis à 16h, 17h. Même à eux, le problème d'amplitude horaire se pose. Mais nous allons voir comment nous avons pris ça en compte par rapport à leurs préoccupations. Mais parlons justement, comment ça vous avez pris ça en compte par rapport à leurs préoccupations? Lorsqu'on a voulu faire l'amplitude horaire, c'est-à-dire les 8 heures par jour, comment les répartir? Nous avons pris un certain nombre de paramètres. Si c'est 8 heures, que nous commençons à 8 heures, 8 heures plus 8 heures, c'est 16 heures. Donc, soit on commence plus tôt, à 7 heures, 7h30, je vous parle des options. Commencez plus tôt, 7h, 7h30, 8h, 8h30. On a 4 options. On s'est rendu compte que commencer à 7h, c'est peut-être possible dans certaines régions du Bénin. Lorsque vous êtes dans des zones où il y a de l'harmattan,
Sortir à 7 heures, je suppose que votre enfant, vous l'avez déposé à l'école à 6 heures. De vous à moi, est-ce que dans certaines régions bénin ici, un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, on peut le déposer à l'école à 7 heures ou à 6 heures dans certains milieux? Même déjà, dans les zones lacustres, les populations interrogées nous ont dit, en période de haute eau, il n'est pas possible de naviguer quand il ne fait pas jour. C'est un gros risque de naviguer quand il ne fait pas jour. Du coup, en les écoutant, ceux qui sont loin de Cotonou, on a compris qu'on ne peut pas démarrer avant 8 heures. De toute façon, les investissements à faire pour démarrer à 8 heures sont très longs. On est arrivé à ce niveau-là. Okay. Alors donc, si on a déjà mis de 8 heures, on est à 16 heures, sans pause. La première question, est-ce qu'il faut faire une pause ou non? En tenant compte même de la grande masse, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas des infrastructures partout où vous pouvez acheter un sandwich ou quelque chose pour manger très tôt. De deux, on s'est rendu compte que la révolution même qui avait institué, parce qu'il faut se rappeler que les horaires actuels ont été introduits dans l'administration à partir de 1974. En 1977, la révolution a tenté de remettre ça en cause pour instituer une journée continue. Mais en 1984, la révolution s'est rendue compte que la journée continue ne pouvait pas tenir. Mieux, par ces temps qui courent, vous avez beaucoup de fonctionnaires qui sont soit des diabétiques, soit qui ont des problèmes d'ulcère. Vous voulez que ceux-là travaillent de 8h à 16h sans pause? L'échantillon traité nous a dit qu'il faut nécessairement une pause. Alors, il nous reste une seule question. Quelle est la longueur de la pause? 30 minutes, 1 heure de pause, 1h30, 2 heures de pause. Voilà les quatre options. Alors, quand vous mettez 30 minutes de pause, vous êtes à 16h30. 1 heure de pause, vous êtes à 17h. 1h30, vous êtes à 17h30. Donc, tenant compte toujours de la grande masse, les 70%, on s'est rendu compte que l'option la plus sûre, c'est de mettre 1h30 de pause. Pourquoi? Quand je suis à Gwandé, je suis dans un arrondissement, même au sud d'ici, où il n'y a pas à acheter. À midi, c'est moi-même qui vais faire ma cuisine. Surtout quand vous avez un couple de fonctionnaires, les deux doivent rentrer pour faire la cuisine. Pendant combien de temps feront-ils la cuisine? Manger, se laver, même sans dormir et revenir, 1 heure, c'est trop juste. Donc, en tenant compte de la grande masse, on a proposé 1h30 et on sort donc à 17h30. Voilà comment dans l'échantillon, nous avons pu avoir des informations. Et mieux, pourquoi le faire? Actuellement, nous travaillons en visioconférence. Vous n'êtes pas sans le savoir. Ouais, ben c'est pour un temps. Oui. La COVID finira par prendre congé de nous. C'est déjà un apprentissage. Toute situation malheureuse a toujours une partie heureuse. Aujourd'hui, nous avons constaté et nous avons vu que nous avons la possibilité de travailler en visioconférence. Donc, même après la COVID. Même après la COVID, la technologie qui est là a déjà fait. On s'est rendu compte que lorsqu'on a des possibilités comme ça, il faut l'exploiter. La COVID n'était pas souhaitée, mais elle nous a ouvert les yeux sur un certain nombre d'éléments qui peuvent renforcer notre administration. À première vue, c'est vrai que la démonstration, elle est bien entendue, mais c'est qu'on se rend compte que ce n'est que 30 minutes. Une heure. Est-ce que une heure, est-ce que ça a vraiment réaménagé? D'aucuns auraient vraiment souhaité que la journée continue et refasse surface. C'est vrai que vous faisiez constater qu'on a fait l'expérimentation et puis on a fait l'option de revenir encore sur l'ancienne manière de faire. Mais est-ce que les choses n'ont pas véritablement trop évolué pour qu'on ne revienne pas encore sur les journées continues? Ça se passe ailleurs, Abdelaziz. Akimé qui me pose de la valeur d'une heure. Tu es le journaliste sportif, non? En une heure, match de football est déjà terminé, en principe. Oui, mais 30 heures. Même en une seconde. Vous avez suivi le match hier, Tottenham, Liverpool. Oui. En quelques minutes, dès que son est sorti, le match est plié. Oui. Donc, une heure, comme me l'enseigne toujours le ministre d'État SGPR, ça dépend de ce que vous êtes en train de faire. Une heure, c'est extrêmement important. Parlons des répercussions sur le plan économique, parce que là, vous parlez de... Bon, c'est un peu le mieux-être des fonctionnaires. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on gagne en passant de 18h30 à 1h? On gagne beaucoup de choses. Un, si l'amplitude horaire est déjà ramassée pour 1 heure de temps, la question de sécurité santé, il nous a été démontré que la question de sécurité santé va être réduite. Si la question de sécurité santé est réduite, l'agent de l'État
qui prend, quand vous êtes malade, vous avez un ticket, vous allez au CNHU par exemple, l'État paye une partie, vous payez une partie. Cette partie, puisque vous allez réduire cela, un, l'agent de l'État va moins dépenser sur les dépenses liées à sa santé. L'État qui contribue fait d'abord de l'économie. Ça, c'est le premier aspect qu'on ne voit pas très rapidement. Deuxièmement, en une heure de temps, vous gagnez pratiquement 11 milliards en matière d'eau et d'électricité. 11 milliards. 11 milliards. Vous l'avez évalué comment ? On a fait l'étude par le professeur Balaro. En matière d'économie, d'économétrie, il est un des as. Donc, une heure, vous gagnez pratiquement 11 milliards. Ça veut dire que lorsque l'agent est plus au poste, il dépense plus d'énergie. Mais justement, c'est ce que nous avons constaté. C'est même à la pause qu'on utilise beaucoup plus l'eau et plus d'électricité. Qu'est-ce qu'on fait avec l'eau à la pause? Qu'est-ce qu'on fait avec l'électricité à la pause? Mais si vous avez le temps de dormir, quand vous allez vous réveiller, vous allez faire quoi? Vous allez vous mettre à jour, premièrement. Vous utilisez plus d'eau. Lorsque vous avez la pause, c'est en ce moment même qu'on met. Il y en a qui ne mettent même pas la climatisation pendant qu'ils travaillent. Mais quand ils veulent se reposer, les brasseurs fonctionnent à fond, la climatisation fonctionne à fond. Donc en matière d'eau et d'électricité, vous avez pratiquement. Mais lorsqu'on a fait l'économie, on a calculé la rentabilité de une heure. On s'est rendu compte que vous avez entre 26 milliards et près de 29 milliards que vous gagnez en matière d'économie pour le pays. Quand je dis économie, ce n'est pas pour les caisses de l'État, c'est pour l'ensemble de l'économie que nous avons calculé et nous avons pu trouver qu'il y a entre 26 et 29 milliards. Lorsque vous avez ce gain-là, imaginez en termes d'école, en termes d'hôpitaux, ce que vous pouvez réaliser. Donc vous avez bien vu, en proposant le réaménagement des horaires de travail, c'est bien ça, quand on vous a entendu. Mais on avait des options. On avait des options. C'est pour ça que je parle souvent de la rentabilité sociale et économique. Moi, je mets beaucoup plus l'accent sur la rentabilité sociale plus que la rentabilité économique. Parce que lorsque vous mettez l'accent sur la... On pense que c'est parce que vous voulez de l'argent. Non, c'est la rentabilité sociale qu'on peut voir. En une heure de temps, si moi j'ai une heure et que je les gagne, je peux faire mon sport du soir. Je peux déjà aller faire mon footing. Il y a des agents de l'État que vous voyez à 20h, 21h en train de faire leur sport. S'ils ont 7 heures là, au lieu d'aller dans une salle de gym, à 20h, ils le feraient peut-être à 19h et ça leur permet de s'occuper de leurs enfants qui vont étudier pour une heure. Cette rentabilité est plus importante pour moi. C'est vrai, j'ai dit, on a voulu faire 30 minutes pour gagner 2 heures. On a voulu faire une heure pour gagner 1h30. On a voulu faire 1h30 ou 2h. Donc, les options étaient ouvertes et en présentant les options, nous avons discuté avec les centrales de syndicats. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Quelle a été la réaction de vos partenaires sociaux? Nous avons discuté, je crois, en présence de 7 membres du gouvernement. Oui. Chaque centrale syndicat était représentée par 2 personnes. Oui. Le patronat était là. Les parents d'élèves, l'association des parents d'élèves, leur fêtière, oui, était là. Nous avons échangé. Vous savez, dans cette option-là, chacun a sa position. La question de l'école a été complètement discutée et nous avons décidé de mettre cette question-là au niveau du milieu éducatif parce que les enfants du primaire, les enfants du secondaire et les universitaires n'ont pas les mêmes réalités. Depuis déjà les États généraux, docteur 1990, ils avaient déjà, quand vous prenez ce rapport, les pages 58 à 60, ils ont abordé la question d'aménagement des horaires. Et ils ont même demandé que nous puissions aménager les horaires de travail depuis 90. Donc la question existe et nous avons échangé. Mais chacun a sa position sur les 4 options. On ne peut pas avoir, comme vous l'avez dit, ceux qui sont à l'intérieur du pays, ceux qui sont à Cotonou, ne peut pas avoir les mêmes entendements sur l'option à choisir. Donc on a choisi l'option la plus rentable au plan de vue social, économique et surtout l'option qui est plus praticable. Un rendez-vous donc le 1er janvier 2021. Le 1er janvier 2021. C'est bien ça. Bien sûr. Merci. Merci. Merci à vous, Abdelaziz Malik, directeur de la programmation et de la prospective du ministère du Travail. Merci à vous également, Hakim Essedou Séli. En plateau, nous aurons Philbert Adjimé-Hassou et son invité, Dr Bio Orouniki, les journalistes environnementalistes. On parlera ce matin du réchauffement climatique. Comment faut-il faire pour la lutte contre le réchauffement? Faut-il repenser la lutte au niveau local? Question à poser à notre invité.
Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Alerte! Vous avez 60 ans et plus, ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Allez, c'est le grand retour hein, de votre rubrique environnement sur Actu Matin. Fulbert Dimerosso, bonjour, bienvenue. Bonjour Christian. Merci. Bonjour téléspectateurs. Vous nous avez manqué hein, quelques semaines. Alors, ce matin, le réchauffement climatique, les différentes éditions des COP pour lutter contre le réchauffement climatique, est-ce que ça a prospéré ou pas? Bon, question que l'on se pose aujourd'hui, on va en parler. Justement, il y a 5 ans qu'on est parvenu à l'accord de Paris. C'était sous le leadership du président Hollande. La France voulait un accord, la communauté internationale voulait un accord, on l'a eu. Mais 5 ans après, on se rend compte finalement que c'était juste qu'un document. On n'a pas pu l'appliquer. Et aujourd'hui, il paraît plus important de réévaluer cet accord-là et de savoir ce qu'il y a de faire. Avec le docteur Bio Oruniki, journaliste environnementaliste, on va donc analyser pour voir est-ce qu'il n'y a pas de solution locale plutôt que de solution globale. Bonjour docteur. Bonjour cher confrère. La COP 21, 5 ans après, ça vous reste quoi dans votre mémoire? Alors, 12 décembre 2015, l'accord de Paris. L'accord de Paris qui vient susciter au protocole de Kyoto. Le protocole de Kyoto signé en 1997 et qui a été mis en œuvre à partir de 2005. Et il faut dire que nous remontons d'abord à 1992, la convention cadre. Quand on dit une convention cadre, ça veut dire qu'elle balise le terrain, mais il faut d'autres accords plus précis. Plus précis. Donc de 1992, on est arrivé à 1997 à 2005. Et de 2005, le protocole de Kyoto qui est parvenu à son terme devait avoir une suite. Et cette suite, c'était l'accord de Paris qui, inévitablement, sous le leadership de la France avec Laurent Fabius, a été acté le 12 décembre 2015. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on a forcé sur cet accord un succès diplomatique? Oui, finalement. C'était d'avoir un accord contraignant, juridiquement contraignant, et c'est le multilatéralisme qui a prévalu. Il faut faire des compromis. Des compromis, ça veut dire que il faut mettre certains intérêts en jeu. Il faut faire des concessions. Et c'est ça qui a prévalu parce que si les États-Unis, qui sont parmi les gros pollueurs, ont accepté, ils ont signé, mais ils n'ont pas ratifié. Et ils étaient partis. Et là, c'était avec le président Barack Obama, avec John Kerry, qui était son ministre et chargé de ses affaires. Donc, les États-Unis ont acté, ils ont accepté, mais ils n'ont pas mis en œuvre. Et la suite, il a la défection de Donald Trump, qui pour lui, c'est l'économie d'abord. Et quand on dit l'économie, eux ne sont pas dans la décarbonisation. Ils sont dans les énergies fossiles. Est-ce que le problème se pose pas au niveau des engagements contenus dans l'accord même? Oui, le problème se pose au niveau des engagements parce que quand on veut toujours plaire à tout le monde, c'est que là, des côtés où ça il n'y aura pas une réalité concrète pour l'accord. On dit qu'il faut subventionner les pays en voie de développement parce que là, le principe des responsabilités communes mais différenciées. On dit que ces pays ne sont pas des émetteurs, même si au jour
d'aujourd'hui, notre pays devient un pays émetteur. Ça veut dire que nous avons une responsabilité, nous avons des engagements à prendre. Mais également, si toujours on doit subventionner les autres, quand est-ce qu'ils vont se responsabiliser à se dire nous-mêmes, nous contribuons au réchauffement climatique? Et quand toujours nous devons attendre que ça soit de l'aide multilatérale qui vient et qu'elle ne vient pas, ça veut dire qu'il n'y aura pas de solution à faire face à nos problèmes d'environnement? Du tout pas. Ce n'est pas toujours les autres qui sont... Ce n'est pas donc seulement la faute des pays pollueurs, mais également des pays pauvres. Des pays, le mot pauvre est trop parti, mais les pays dits en développement, parce que tout le monde aspire au développement des pays. Et dans ce truc, nous avons la souveraineté nationale. Chaque pays va avec son ego. Chaque pays va avec ses ambitions de se développer. Même ces pays aujourd'hui, qu'on pense qu'on doit subventionner, aspirent au développement et sont prêts à utiliser les énergies fossiles. Parce que si actuellement on parle de l'efficacité énergétique, quelles sont mais en réalité, est-ce que ces pays développés veulent qu'on ait l'énergie solaire pour nous développer? Sinon, ce sont des mesures phares qui peuvent empêcher chez nous également de réduire l'émission des gaz à effet de serre. Nous avons du soleil, mais combien nous utilisons ce soleil pour l'énergie? On a passé 5 ans à rédiger des CDN, des conditions de terrain national, des CPN. Au-delà des documents, vous retenez quoi de positif de l'accord de Paris? Bon, en fait, moi, je dis que le bilan est mitigé. Mitigé, pourquoi? Parce que l'accord nous contraint à faire des rapports. La CDN, le Bénin, se dit qu'il va réduire jusqu'à 4%. Et puis, on a la TCN, la troisième communication nationale. On a le document sur la décarbonisation, le développement sobre en carbone. Mais est-ce concrètement, avons-nous les moyens sur le terrain de décarboniser? Parce que quand on sait juste aujourd'hui, il y a un transfert de la pollution, les unités industrielles ailleurs qui ne marchent pas, c'est ça qu'on transfère chez nous. Si aujourd'hui, excusez-moi, les véhicules dits d'occasion, le PNU a fait sortir un dernier rapport qui montre que ces véhicules constituent un gros pan des sources de pollution dans les pays en développement. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour subventionner les véhicules neufs qui ne soient pas moins chers? Voyez un véhicule dit d'occasion encore plus cher à l'achat avec alors qu'il pollue. Maintenant, revenons au niveau local. Qu'est-ce qui se fait? Parce que les problèmes d'environnement sont d'abord des problèmes nationaux, des problèmes régionaux, des problèmes locaux avant d'être des problèmes planétaires. Qu'est-ce qui se fait? Aujourd'hui, je pense qu'on aura mieux à trouver les solutions par nous-mêmes que de penser que c'est les autres qui doivent trouver. Qu'est-ce que c'est ces solutions locales-là? Oui, par exemple, il y a ce qu'on appelle l'adaptation basée sur les écosystèmes. Ça veut dire, quand on prend, nous avons 8 zones agroécologiques, les milieux de pêcherie, qu'est-ce qu'on doit mettre des mesures d'adaptation? En quoi le milieu offre? Quelles sont les possibilités que le milieu offre? Ces possibilités ne sont pas les mêmes que les milieux de savane. Ils ne seront pas les mêmes que les milieux montagnards. C'est ainsi de suite. Donc, désormais, c'est le milieu lui-même qui nous offre la possibilité de voir les mesures d'adaptation et de penser que ça doit être des mesures verticales à cause du financement. Non, on n'est plus à des phases pilotes. On doit être à des mesures réelles par rapport au milieu des zones inondables. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'adapter? Parce qu'il y a la ressource qui est là. Et on doit tenir compte des savoirs endogènes. Dites-vous que nos parents savaient s'adapter à tout ça. Ce n'est pas des phénomènes nouveaux. C'est aujourd'hui, quand la science se met dedans, qu'on pense qu'il faut toujours globaliser. Toutes les solutions globalisées ne marchent pas. Quand on pense qu'il faut globaliser, ne marchent pas. On doit tenir compte de nos écosystèmes qui permettaient aux gens de vivre et qui permettent encore toujours aux gens de continuer par mener nos activités. Et les semences ne sont pas les mêmes. Les cycles agro-sylvicoles ne sont pas les mêmes. On doit tenir compte de ce que les milieux nous offrent. Et tous les milieux ne sont pas propices à une certaine activité. La lutte contre l'adaptation au changement climatique, une bataille perdue d'avance, selon vous? Non, elle n'est pas perdue. L'espoir a permis, d'autant plus que nous... Alors on dit que le monde n'est pas capable. Non, le monde est capable, d'autant plus encore que les solutions innovantes existent. Mm-hmm. Aujourd'hui, on parle de l'agriculture intelligente face au climat. Nous avons de l'eau, qu'est-ce que nous faisons des réserves d'eau quand il pleut chez nous? Voyez au Burkina, à côté, ils arrivent à produire mieux des produits de contre-saison. Nous avons l'eau qui coule. Qu'est-ce que nous faisons pour garder cette eau pour produire davantage et ne pas importer? Mais ça également, ça fait partie des solutions d'adaptation. Si on se plaint, ce n'est pas les autres la solution. La solution est d'avoir par nous, mais elle est endogène, elle est locale et chacun doit en être responsable. Ce n'est pas la faute des autres. Docteur Bioroniki, oui. Tout dernier mot sur la loi sur le changement climatique, au moins c'est un plus après la COP 21. Oui, et nous sommes la loi sur les changements climatiques, oui, c'est un plus.
mais nous sommes toujours dans une inflation législative. Il y a tellement de lois, mais c'est l'application qui, moi, m'écœure. Parce que quand les lois ne sont pas suivies de décrets d'application, et au-delà du décret, quelles sont les conditions socio-économiques qu'on y met pour les appliquer? Parce qu'il faut tenir compte quand on va les appliquer, quelles sont les mesures d'accompagnement qu'on y met pour appliquer les lois. Sans ça, là, la loi devient lettre morte. Et on ne voit toujours que le côté répressif. Qu'est-ce qu'on fait en amont pour accompagner les gens avant de réprimer? La répression n'est pas toujours la solution, mais l'accompagnement et la conscientisation, l'éducation permanente doivent également être des activités en amont. Merci Dr. Biaroni, qui je rappelle est journaliste et environnementaliste. Merci Christian. Merci à vous Philbert Adimero-Sou, rendez-vous jeudi prochain. Voilà. Merci beaucoup, hein. Très bonne journée. Merci docteur. Merci à vous. C'est toujours un plaisir de vous avoir en plateau. Un plaisir renouvelé. Merci. Vous restez avec nous mesdames et messieurs, encore quelques minutes à passer ensemble et nous allons revisiter l'actualité nationale telle que traitée par les parutions du jour, décryptage, présentation, Séraphin Assiobon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. 16 mois après leur fermeture, les frontières nigérianes s'ouvrent. C'est l'information que servent ce matin la plupart des publications comme l'événement précis qui écrit que les frontières du Nigeria sont rouvertes sur ordre de Buhari. L'économiste du Bénin confirme pour écrire que le chef de l'État nigérien Muhammadu Buhari a ordonné la réouverture immédiate de 4 frontières nigérianes dont celle de Sémé. Au sud-ouest, il est là dans l'état de Sokoto, Maïgatari au nord-ouest et Mufun au sud-sud. L'annonce a été faite par la ministre des Finances, du Budget et de la Planification nationale, Zainab Ahmed, à l'issue de la 28e réunion virtuelle du FEC hier mercredi. Selon plusieurs autres médias nigériens, africains et occidentaux, le président de la République fédérale du Nigeria pourrait également ordonner la réouverture d'autres frontières terrestres d'ici le 31 décembre 2020. Pour Fraternité, c'est une bonne nouvelle et un ouf de soulagement pour la coopération sous-régionale. Depuis l'annonce de la réouverture de ces frontières par le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, après plus d'un an de fermeture, la décision enchante détend particulièrement l'atmosphère des relations de bon voisinage et du coup, en cette fin d'année difficile pour tous les pays au monde à cause de plusieurs conjonctures, l'horizon économique s'éclaircit. Pour l'instant, que ça soit du côté du Nigeria ou du Bénin en ce qui nous concerne, l'unanimité est faite que c'est la meilleure des choses qui puissent arriver aux deux pays dont les populations sont non seulement frères, mais aussi condamnés à vivre ensemble. Le télégramme rapporte Zainab Ahmed selon laquelle, malgré cette réouverture, les restrictions à l'importation de certains produits, comme le riz et d'autres produits, vont continuer à être appliquées. Stratégie ou capitulation de Buhari, se demande le matinal en tout cas. Faites observer le potentiel. Buhari a fait savoir que la fermeture des frontières terrestres du pays faisait partie des efforts du gouvernement pour contrôler la contrebande d'armes et de drogues dans le pays. Et si pour certains Béninois, selon Fraternité, cette ouverture des frontières entre le Bénin et le Nigeria constitue le fruit des négociations diplomatiques qui ont été menées à divers niveaux. Pour d'autres, il y a lieu de se féliciter de l'attitude affichée par le président Patrice Talon dans cette crise. C'est le cas du docteur Malik Goumina, actuel maire de la ville de Djougou, pour lequel nous avons certes besoin du Nigeria, mais pas dans une position de vassal. Désormais, les relations entre nos deux États seront faites de respect réciproque. Et cela n'a pas de prix. On ne pouvait pas encore accepter que l'histoire se répète, comme jadis, les royaumes d'Abomey et d'Abeokuta. Dans la suite, l'économiste du Bénin s'intéresse à ce jour aux impacts socio-économiques du réaménagement des horaires pour écrire qu'il est clair que ces nouvelles tranches horaires pourraient être porteuses d'impacts économiques majeurs au Bénin. Ainsi, appelé à finir le boulot à 17h30 réglementairement contre 18h30 jusque-là, dès 2021, les agents de l'administration publique, même avec les derniers réglages, en fin de journée pourraient quitter les bureaux déjà à 18h. Ils sortiront ainsi en pleine journée. De ce fait, ils n'auront plus à solliciter longtemps les ressources en énergie dans le cadre de leurs tâches professionnelles réglementaires, sachant
que le besoin en énergie reste plus important, notamment à partir de 18h. Reconnue comme une heure de pointe dès 2021, la demande dans l'administration politique s'amenuisera. Mais en attendant, la cloche annonce le chef de l'État, Patrice Talon, face aux députés le 29 décembre prochain. Fraternité explique que ce sera le cinquième rendez-vous du président Patrice Talon avec les députés à l'Assemblée nationale depuis son accession à la magistrature suprême en avril 2026. Il a eu à délivrer son message trois fois sous la 7e législature présidée par Maître Adrien Houbedi et ce sera la 2e sous le président de l'Assemblée nationale, 8e législature, Louis Gbewounou Vlavounou. Le Télégramme veut savoir, dans le cadre des poursuites judiciaires contre les candidats surprises dans des manœuvres de tricherie au concours de recrutement, de 100 auditeurs de justice qui sont les mis en cause et leurs complices. Dans sa quête de vérité, le journal se demande qui sont leurs complices et écrit que si l'identité des deux candidates surprises dans des manœuvres ne sont pas encore connues, c'est peut-être parce que les individus sont présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité soit établie. Néanmoins, fait observer ce journal, il se révèle que la candidate surprise avec des documents écrits en forme de brouillon est l'épouse d'un brillant avocat au barreau béninois et la seconde serait proche d'un magistrat. Merci d'avoir suivi la revue de presse. Merci d'avoir suivi la revue de presse, merci d'avoir suivi Actu Matin. Chez vous, c'était votre matinale. Très bonne journée du jeudi à chacun et à tous. Rendez-vous demain vendredi pour un plateau beaucoup plus relax avec le débat sur un sujet fait de société et le plateau culturel avec des artistes que nous aurons à inviter pour vous. Prenez donc le rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, gardez le sourire. Au revoir.